comme on est filmé, enregistré, puis retransmis, mais à partir de demain seulement, je lève les yeux pour savoir si on peut y aller, si ça fonctionne ou pas. Si en régie, tu peux me faire... C'est un oui ? C'est un oui. Super. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Très nombreux. On doit être à peu près 300-350 dans la salle tout de suite. Merci de participer à ce congrès junior pluridisciplinaire. Je m'appelle David Néron, je suis professeur ici à l'ENS Paris-Saclay et je suis également directeur de la Graduate School Métiers de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, qui est une entité dont je vous parlerai un tout petit peu tout à l'heure, qui est une entité de l'Université Paris-Saclay. Et avant de commencer, je voudrais laisser la place à Nathalie Carrasco, qui est la présidente de l'ENS Paris-Saclay, dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui accueille cet événement. Merci David. Alors pour compléter son introduction, David a dit bonjour à tous. Je corrigerai. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'ouvrir avec vous le troisième congrès junior pluridisciplinaire de l'Université Paris-Saclay. Donc, comme le disait David, vous avez vu sur le fronton, en entrant dans le bâtiment, que vous êtes ici dans les locaux de l'ENS Paris-Saclay. Donc, bienvenue à toutes et à tous ici au sein de l'ENS. En deux mots, qu'est-ce que c'est qu'une ENS ? C'est une grande école, il y a 4 ENS en France. Ce sont les grandes écoles françaises de formation à la recherche et à l'enseignement supérieur. Donc elles sont donc par principe très liées à l'université et à ses missions. Et c'est pour ça, c'est pour cela que l'ENS Paris-Saclay fait vraiment cœur avec tous les établissements qui composent notre grande université, l'Université Paris-Saclay. Et avec ce quelques mots et le titre du congrès, vous comprendrez immédiatement que ce congrès, forcément ici, on l'adore. Pourquoi est-ce qu'on l'adore ? On l'adore pour vous toutes et tous. Il vous met au centre de l'action, toutes les jeunes pousses de chercheuses et de chercheurs de l'Université Paris-Saclay. Vous êtes en L3, en M1 ou en M2. Vous venez de toutes les disciplines couvertes par l'université et organisées en 3 grands secteurs disciplinaires, les sciences et ingénierie, les sciences de la vie et de la santé et les sciences humaines et sociales. Donc un champ extrêmement large. Vous venez également de tous les sites composant l'université. Ici, on est un des sites, mais en réalité, l'université se déploie sur un très grand territoire, le plateau du Moulon sur lequel nous sommes localisés, le plateau de Polytechnique, la vallée vers Orsay, Sceaux, Versailles, Saint-Quentin en Yvelines, Évry et j'en passe. Donc, en pratique, vous ne vous connaissez sans doute pas tous et toutes aujourd'hui. Et de plus, je rajouterai que vous venez avec certainement des jargons spécifiques à chacune de vos disciplines. En gros, vous ne parlez pas exactement la même langue scientifique. Donc vous avez un très joli défi à relever ensemble aujourd'hui, celui d'expliquer votre activité de recherche aux unes et aux autres. J'espère que vous allez relever ce défi avec enthousiasme. J'imagine que ce ne sera pas forcément facile, mais est-ce que ce sera intéressant ? Oui, évidemment. Et pour cette troisième édition, nous avons décidé de lever encore un peu le niveau du défi, puisque vous allez en plus cette année présenter vos travaux devant des classes de lycéens qui sont venus à la fois des Tempes et des Ulysse. Donc j'ai une pensée particulière pour eux. Je vous demanderai peut-être de lever la main pour qu'on vous voit. Bienvenue à vous également. Et donc votre venue, je tiens à le remercier, c'est faite grâce à l'aide de Monsieur Sylvain Duclois, qui est toujours très mobilisé pour accompagner les lycéens dans leur découverte des métiers. Et aujourd'hui, c'est donc la découverte des métiers de la recherche. J'ai une grande pensée pour vous.
également, et je me réjouis de vous voir parmi nous. Pourquoi ? Alors, c'est parce que vous ne savez pas forcément si intuitivement ce que sont les métiers de la recherche. Donc cette journée aujourd'hui, avec tous ces jeunes issus de toutes les disciplines de l'université, eh bien, c'est vraiment l'occasion, on a vraiment un moment important pour vous montrer l'étendue et la variété des sujets que l'on aborde en recherche, mais aussi comment, et ça c'est très important, comment est-ce qu'on aborde une question de recherche. En réalité, la recherche, ce n'est pas flou du tout. C'est du solide, c'est du méthodique, et vous allez le voir également. Et c'est très important de se dire cela, puisque pour aborder des questions forcément complexes, aborder l'inconnu, eh bien, c'est important d'avoir une méthodologie extrêmement solide pour cela. Donc, ce n'est pas facile, mais vous le verrez, c'est accessible et c'est passionnant à la fois. Maintenant, je reviens vers nos intervenants et intervenantes de la journée. Quels sont, à mon avis, les deux apprentissages que vous pratiquerez et retiendrez de ces rencontres aujourd'hui ? La première, c'est celle de la pluridisciplinarité, qui est dans le titre du congrès. Aujourd'hui, de nombreux enjeux de notre société portent sur des questions justement complexes qui exigent de croiser les regards disciplinaires et donc de travailler ensemble avec plusieurs expertises combinées. Pour cela, il faut prendre le temps de la discussion, c'est nécessaire, comme vous allez le faire aujourd'hui. Pour se comprendre, pour construire, je reprends le terme, pour construire un langage scientifique commun et pour apprendre à travailler ensemble au service de ces grands enjeux pluridisciplinaires. Première leçon. Deuxième leçon importante pour vos métiers à venir, quelles que soient vos destinées professionnelles, c'est celui de la transmission des connaissances. La médiation scientifique. Savoir expliquer sa recherche à des publics divers, avec aujourd'hui en plus cette inclusion de publics lycéens. C'est une responsabilité importante en tant que scientifique, encore une fois, quelle que soit votre carrière à venir, de savoir éclairer les autres par la science et redonner sa place à la parole scientifique. Voilà. Avant de vous laisser la place, je remercie tous les organisateurs et les organisatrices de cette très belle journée, et en particulier la Graduate School des métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur, pour cette formidable initiative, 3e édition, grand succès. Mais c'est toute une organisation qui allait avec, en amont et tout du long de cet après-midi. Donc un grand merci à elles et à eux pour le succès de cette journée et de cet événement. Donc ce congrès, je vous le souhaite, il sera évidemment tout aussi intéressant qu'important. Et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à échanger ensemble pendant cet après-midi. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci beaucoup Nathalie. Du coup, je vais dire un petit mot Graduate School. Donc moi je suis mécanicien au départ et donc je suis enseignant-chercheur ici, professeur des universités, pour ceux qui connaissent le terme. Et quand j'ai pris la direction de cette Graduate School, qui est pluridisciplinaire, puisqu'elle est en train de fédérer à l'échelle de l'université les actions qu'on a un peu partout pour préparer les jeunes à devenir de futurs collègues, chercheurs, enseignants dans le supérieur, bah, clairement, je ne parlais pas le même langage que les collègues qui travaillaient dans d'autres disciplines. Je vois Christine qui est devant moi, qui est la directrice recherche de la Graduate School, qui fait de la recherche en sciences animales. Typiquement, on ne parlait pas de la même chose. La manière de faire de la recherche avec des collègues de sociologie, quand je faisais les premières réunions avec eux, on était à des kilomètres. Quand l'un parlait d'écrire un article dans un journal scientifique, l'autre parlait de parler sur France Inter le matin. Lorsqu'on avait d'un côté trois doctorants, de l'autre, on en avait beaucoup plus. Lorsque on écrivait un livre, lorsque l'autre écrivait un article de trois pages. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, dans ce congrès-là, et Laure-Lise nous en parlera tout à l'heure, c'est vraiment vous donner cette occasion un petit peu unique de découvrir d'autres disciplines que les vôtres. Là, je parle pour les plus jeunes d'entre vous qui participent au congrès. Et puis, c'est l'occasion aussi pour tous les collègues et chercheurs seniors ou enseignants-chercheurs seniors qui participent et qui viennent écouter, de découvrir d'autres disciplines et puis de voir ce qui se fait dans les projets de recherche à l'échelle de l'université.
Alors, dans cette graduate school-là, j'ai remis le symbole qui est là. J'avais déjà présenté cette planche l'an dernier, parce que, comme disait Nathalie, c'est la troisième édition de ce congrès. Quand on avait demandé au graphiste qui fait les images pour les documents qu'on produit d'avoir une illustration, il nous avait mis ce logo-là. Alors, tout le monde se demandait un petit peu ce que c'était. L'an dernier, j'avais posé la question et j'avais marqué les réponses qu'on me donnait. J'ai réessayé, là, dans les 2-3 jours précédents, en montrant le logo à qui voulait le voir pour voir à quoi ça leur faisait penser. Certains m'ont dit c'est un labyrinthe. Certains m'ont dit c'est du slime. Alors je ne sais pas si le slime c'est une question générationnelle. Je ne sais pas qui connaît le slime dans la salle. Moi ça me rappelle ma jeunesse. D'autres c'est un cerveau. D'autres c'est du corail. Un soleil. Un virus. Un mille pattes. Mille pattes je voyais un petit peu moins. Autant il y avait des choses où je me disais oui je comprends comment tu raisonnes, mais le mille pattes je le sentais un peu moins. Mais en tout cas, pour nous, on a gardé ce logo-là depuis que la Graduate School existe, parce que c'est le logo qui symbolise des activités qu'on propose pour les juniors, pour les chercheurs, enseignants chercheurs en devenir, avec des actions qu'on a intitulées « Pouce de chercheurs et de chercheuses, cultivez vos neurones », qui sont l'occasion de vous frotter à des activités que vous pourriez faire si vous continuez dans ce domaine-là, si vous devenez un jour un de nos collègues. Et donc, une de ces actions qu'on va vous détailler tout à l'heure, c'est le congrès junior qui est dans sa troisième édition. C'est une action un petit peu emblématique parce que c'est l'occasion de réunir beaucoup de monde et puis pour vous de sortir un petit peu de votre zone de confort pour les jeunes qui vont participer. Vous êtes habitué à présenter des travaux dans les projets de recherche que vous faites. Il y a un petit côté, je présente devant les copains, devant mon prof, et puis ça ne sortira pas de la salle. Là, on est dans une salle où il y a 500 places. Bon, il y a un petit peu plus de pression, évidemment, quand on va aller présenter ça. Mais c'est le jeu, quand on est en train d'avoir des activités de recherche qu'on va présenter dans des congrès. Ça donnera lieu à des open badges pour les participants qui ont participé soit avec des présentations orales, soit des présentations posters, soit des présentations vidéo, soit qui ont reçu un prix. Les open badges, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser pour certifier les compétences que vous avez acquises en venant présenter dans cette conférence. On a un certain nombre d'autres actions qui sont un peu dans la lignée. C'est que vous avez vu qu'il y allait y avoir des remises de prix pour les différentes présentations orales, posters, vidéos, plus des prix coup de cœur. Laurelise vous expliquera ça également. Et les prix qui sont remis, ça va être un coaching par des journalistes scientifiques de l'université qui vont vous aider, vous apprendre comment réaliser un article un peu science et vie, de vulgarisation sur vos travaux de recherche, qu'on publiera dans le journal Pouce de chercheurs et de chercheuses, qui est le journal de la Graduate School. Alors, édition numéro 1 qui est sortie en 2023, édition numéro 2 qui, j'espère, sortira au sortir des vacances d'été. Quand on avait lancé ça, je disais on peut en sortir un tous les 3 mois, on m'avait dit ça ne marchera pas. Effectivement, c'est plus compliqué que ça. Donc on est en train de se roder et donc l'idée, ça sera que les gagnants auront droit à un coaching avec des journalistes qui leur apprendront à écrire des articles. Ça passera par un graphiste qui aidera à refaire toutes les illustrations que vous lui proposerez. Et puis tout sera publié dans un journal qui sera diffusé à l'échelle de toute l'université. Et vous avez peut-être déjà vu le premier numéro passer. On a essayé d'en mettre un petit peu partout, là où on pouvait, où il y avait des jeunes. Ça, ce sont des articles du premier numéro. Après, je ne vais pas faire le détail de toutes les actions qu'on mène. Vous pourrez recroiser la Graduate School à plein de moments de vos études si vous restez à Paris-Saclay. Une autre action, c'est si vous êtes en thèse et à Paris-Saclay et que vous souhaitez continuer avec une poursuite pour une carrière qui serait une carrière académique de chercheur, d'enseignant-chercheur. On vous propose aussi des formations dans ce cadre-là et on vous permettra de monter en compétences sur comment on enseigne notamment et puis découvrir également quel est le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est des choses où assez régulièrement vous verrez passer des choses avec le petit logo de la Graduate School qui peuvent vous intéresser en tant que junior et puis très souvent pour les plus seniors d'entre vous. Souvent on ouvre tout ça à tous parce qu'on se dit on aurait bien aimé en bénéficier quand on était plus jeune. Donc, je voulais finir en vous souhaitant vraiment un très, très bon congrès, enrichissant. C'est une belle aventure. Enfin, généralement, les gens ressortent fatigués, mais ravis.
les remercier bien évidemment tous celles et ceux qui ont contribué. Alors je vois Stéphanie, je vois leur liste devant, qui je pense que vous connaissez tous parce que vous avez tous échangé des mails à n'importe quelle heure avec elle. Stéphanie qui lève la main, leur liste qui lève la main également. Mais après, il y a tous les... On en reparlera, tous les membres du comité scientifique du congrès, tous les membres du comité d'organisation, tous les jeunes qui aident, parce que vous avez été accueillis dans les salles, vous avez été accueillis au moment de la, pour récupérer vos badges, pour récupérer les goodies. Donc tout ce qui fait la vie d'un véritable congrès scientifique, bah, évidemment, on a retranscrit ça ici, avec peut-être moins de pression, enfin en tout cas une ambiance qu'on veut la plus sympa possible, parce que faire de la recherche, c'est sympa. Je laisse la parole à Laure Lise qui va nous raconter comment ça va se passer. Bon après-midi. Bonjour à tous. Donc, Laure Lise Chapelet. Moi, je vais vous expliquer un petit peu plus le contenu technique, c'est-à-dire comment est-ce que va se dérouler l'après-midi. Mais déjà, on va commencer par... remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation. Donc David vous a dit, un comité d'organisation donc constitué à la fois de la direction de la Graduate School, mais aussi de gens volontaires pour aider à organiser la journée d'aujourd'hui. À ce comité d'organisation vient s'ajouter le comité scientifique qui est là. Le comité scientifique, il est constitué de personnes qui ont été... désignés, nommés, qui ont été volontaires bien évidemment, dans chacune des graduate schools et des instituts de premier cycle de l'université Paris-Saclay. Et on les remercie, tous ont participé, tous et toutes ont participé à l'évaluation de l'ensemble des résumés. Mais à ces deux comités, il faut aussi ajouter le comité junior. Alors on n'a pas les photos. Mais on les remercie tout autant. Le comité junior qui a aidé, vous les avez sûrement déjà croisés, a aidé à accueillir, a aidé à installer, à aller chercher à manger. À, voilà, j'ai dit que j'étais un peu tyran depuis ce matin, mais on a eu beaucoup d'aide et vraiment un grand, grand merci à tous ceux qui nous ont aidés et qui vont encore nous aider pendant toute l'après-midi et la soirée. On en profite pour dire que, bien évidemment, si vous étiez tenté par l'expérience de devenir membre du comité junior pour l'année prochaine, vous êtes les bienvenus. Il suffit de nous contacter, vous connaissez l'adresse, pour postuler pour l'année prochaine. Alors, les derniers remerciements à faire. On est aujourd'hui à l'ENS Paris-Saclay. On a entendu la présidente Nathalie Carrasco tout à l'heure. On va remercier aussi tous les services qui nous sont venus en aide pour l'organisation, à la fois le service du patrimoine, le BDE et les associations étudiantes qui nous aident à, par exemple, l'ambiance musicale que vous allez avoir tout à l'heure lors du cocktail. Tous ceux qui, le service com aussi que je n'ai pas mentionné, tous ceux qui ont prêté main forte parce qu'on a réquisitionné des gens à droite et à gauche quand on avait besoin à l'ENS et on a toujours trouvé des gens pour nous aider. Au niveau de l'université Paris-Saclay, la DIRCOM et les journalistes scientifiques qui s'occupent de faire l'accompagnement dont a parlé David pour la publication du journal scientifique. Au niveau des graduate schools, on a généralement beaucoup de relais et beaucoup de soutien pour diffuser l'événement et on remercie la totalité des gens qui participent à ceci. L'Institut DataIA qui, depuis 3 ans, aide à financer le congrès. Et bien évidemment, on vous remercie, vous, parce que le congrès n'existerait pas si vous n'aviez pas eu l'idée de participer. Donc, merci à tous ceux qui ont eu le courage de se dire « Allez, j'essaye, je prépare un poster, je prépare une vidéo, je prépare un oral et je viens la présenter devant tout le monde. » Croyez-nous, on sait que ce n'est pas facile, on sait que ça demande de se dire « Je me jette à l'eau, j'y vais. » Et vraiment, merci à tous pour ça. Et enfin, merci à tous les spectateurs qui sont là, bien évidemment. Un petit bilan de cette année, on a 113 participants aujourd'hui avec 50 présentations orales, 23 posters et 11 vidéos.
et on a une répartition sur l'ensemble des établissements composants et universités associées de l'université Paris-Saclay. Alors, bien sûr, on voit qu'il n'y a pas une répartition égale, et si vous êtes dans des établissements où la part est plus petite, ben, on vous encourage à faire de la pub autour de vous, on accueille tout le monde également, mais du coup, on vous prend comme relais des informations pour les prochaines sessions, si vous le voulez bien. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui ? J'aime bien quand on en arrive là, parce que c'est le moment où on se rend compte qu'on est déjà en retard. Midi 30, 13h30, c'était donc l'accueil au niveau, et la première session poster au niveau du hall et minoteur. À 13h30-ish, on a démarré et on va du coup là rentrer dans la session plénière. Dès que j'aurai fini de parler, on va pouvoir commencer avec les premières présentations orales. Cette première session, du coup, va être constituée à la fois de présentations orales et de la diffusion en direct de vidéos qui ont été préparées. Vous avez le programme. Alors, cette année, c'est vrai, on ne l'a pas imprimé. Mais si vous regardez bien sur vos badges, vous avez tous un petit QR code. Et si vous scannez ce QR code, vous allez tomber sur le programme. Vous allez pouvoir le consulter. Le programme est aussi, pour ceux qui ne scannent pas les QR codes, disponible sur le site du congrès. Vous pouvez aller directement sur le site et cliquer sur le programme que vous pouvez consulter. Vous pouvez également consulter la totalité des résumés à partir du site ou également à partir du QR code que vous avez sur vos badges. Je vais vous le présenter, le programme, pour le décoder juste après. Donc on va avoir des présentations orales et des vidéos. Je vais faire chairman pour cette première session. Vous allez voir que je vais être au premier rang, sûrement. Vous allez commencer. Je vous rappelle que la durée de la présentation, c'est 5 minutes. Vous êtes tous au courant, j'espère. Et au bout de 5 minutes, il faut donc s'arrêter. Pour vous aider à garder un petit peu une idée du temps qui passe, je serai devant. Au bout de 4 minutes, je vais lever la main. Bon, ça veut dire qu'il faut me regarder de temps en temps, ce qui m'est arrivé l'année dernière de devoir sauter et de faire des grands coucous parce que la personne ne me regardait pas. Mais donc, je lève la main au bout de 4 minutes, ça vous indique qu'on se rapproche du temps. Au bout de 5, je me lève. Bon, si je me lève, ça veut dire qu'il faut quand même commencer à se rapprocher d'une conclusion. D'accord ? C'est important de respecter le timing puisque 50 présentations orales, si chacun dépasse de 2 minutes, ça fait beaucoup à la fin. Donc, on n'a jamais eu de soucis et je vous fais confiance pour respecter les temps. Je sais que dans les vrais congrès, alors les vrais, c'est un vrai congrès, dans les congrès traditionnels, c'est un peu un sport de dépasser le temps. Nous, on va faire mieux, hein, on compte sur vous, on va essayer de garder les timings à chaque fois. Ok, à 16h15, on fera la pause café et à cet endroit-là, on fera la session poster. Vous avez tous eu, pour ceux qui ont des posters, eu l'information que selon votre numéro pair et impair, vous avez une demi-heure à laquelle vous devez être devant votre poster. L'autre, vous pouvez aller regarder les autres posters, rester devant le vôtre si vous voulez continuer à parler, ou bien profiter aussi du buffet avec les quelques gâteaux. À 17h30, on redémarrera la deuxième session. Donc ce sera les sessions parallèles, vous aurez une session ici dans l'amphi Alain Aspect et deux sessions différentes dans les amphis Simondon qui sont signalées depuis la sortie de l'amphi Alain Aspect. Un des amphis est en anglais pour la totalité des présentations, il est signalé également. Enfin, à 19h30, on se retrouve au Hall et Minoteur pour encore une session poster, mais surtout le cocktail qui démarrera avec la remise de prix dès qu'on aura fini de délibérer. Alors, les prix. Cette année, au niveau des prix, alors on a gardé ce qui est apprécié et qui vous fait participer, c'est les prix coup de cœur du public pour toutes les catégories. Bon, ça veut dire qu'il va falloir voter. Pour voter, vous pouvez aller sur le site du congrès et vous avez directement un lien qui vous amène vers un questionnaire vous permettant de choisir votre présentation orale favorite, votre poster favori et votre vidéo favorite également. Il y aura donc un prix coup de cœur du public à chaque fois et puis des prix de sélection, des prix sélectionnés par le comité. 4 prix pour les présentations orales, 3 pour les posters, 2 prix pour les vidéos et enfin un prix spécifique sera remis
pour les L3 ou équivalents, pour les remercier d'avoir le courage de venir présenter devant tout le public qui est là et des niveaux qui sont des fois plus, forcément plus avancés que le leur. Enfin, pour le Wi-Fi, pour ceux qui sont extérieurs à l'école, vous pouvez vous connecter. Alors, si vous avez un compte qui est un compte académique, universitaire, vous pouvez avoir accès à EduRoam. Sinon, vous avez ENS invité. Alors, vous avez mon adresse mail. Petit challenge, arriver à recopier mon nom et mon prénom, qui est assez long, sans faire d'erreur. Si vous le rentrez, je peux vous parrainer, et donc j'accepterai les invitations. Sinon, on capte la 4G, vous pouvez aussi voter directement avec la 4G sur vos téléphones. Oui, ça dépend où dans le bâtiment, mais il y a des endroits où on capte. Alors, je vous ai parlé du programme. Jetons un coup d'œil au programme. Comment il est constitué? Vous avez les oraux, vous voyez, numérotés de O1, O2, O3, O4, O5, et de temps en temps, vous avez une vidéo numérotée V1 à V11 qui viendra s'intercaler entre les présentations. Ça va être très simple, je vais demander à tous ceux qui vont être dans les prochains à passer de commencer à descendre. Donc là, par exemple, les trois premiers, vous pouvez commencer à vous rapprocher et à vous mettre au premier rang, par exemple, ici, on vous a réservé des places. Et vous allez ensuite continuer à vous rapprocher petit à petit quand vous voyez que ça se rapproche de vous pour ne pas avoir trop long à vous déplacer lorsque c'est à votre tour. Enfin, on n'a pas de session de questions et réponses, bien évidemment, à la fin des présentations, comme on pourrait le trouver dans d'autres congrès. C'est un choix, et ça fait débat chaque année. Chaque année, on réouvre avec plaisir ce débat, et on retombe sur la même conclusion, qui est que le timing du congrès est serré, et on préfère passer plus de temps, vous donner plus de temps pour présenter ce que vous nous avez préparé. Et croyez-nous, on est curieux de découvrir ce que vous avez préparé, parce que avec Stéphanie, ça fait quelques semaines qu'on lit les résumés, alors même avec tous les comités qu'on lit les résumés, mais qu'on voit les présentations arriver, qu'on voit les posters arriver, et il y a des choses qui ont l'air très sympathiques. Mais du coup, pour vous laisser plus de temps, on a choisi d'enlever cette partie de questions et réponses afin de ne pas être frustré. Si vous avez des questions en suspens, n'hésitez pas au moment de la pause, au moment des sessions posters, à aller trouver le participant ou la participante qui a suscité ces questions et à engager la conversation. Je crois que j'ai quasiment tout dit. Je vais vous souhaiter un excellent congrès et on va commencer avec, du coup, je prends ma fiche, le premier oral, Kevin Beau. Dernier petit détail, après je m'en vais. Les micro-pupitres vont être neutralisés. Donc, on vous a préparé des micro-mains. Alors, petite explication de l'utilisation d'un micro-main. Là, vous m'entendez. Vous m'entendez même très bien. Là, vous ne m'entendez pas. Ça paraît très simple, mais quand on est en train de faire sa présentation, généralement, on va commencer à se déplacer. Bon, si vous avez compris, c'est enregistré. Si vous ne parlez pas dans le micro, peut-être qu'on vous entend au premier rang, mais déjà au fond, j'ai des doutes. Et en plus, on ne vous entendra pas sur la bande vidéo. D'accord ? Donc, une astuce, vous posez le micro sur votre menton et vous parlez, il n'y aura pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon sujet a l'intitulé suivant. Les mouvements rationalistes français des années 1970-1990, le cas de Laffis et sa revue Science et Pseudoscience. C'est un travail d'histoire contemporaine, plus précisément d'histoire du temps présent, c'est-à-dire après 1945.
Si vous le voulez bien, je vous propose que nous décortiquions ensemble les différents termes du sujet. Donc, que sont les mouvements rationalistes ? Eh bien, ce sont des groupements de personnes et des associations qui, pour le cas français, apparaissent principalement dans les années 1930. Ils sont mus par une volonté de diffusion de la connaissance scientifique et de lutte contre l'obscurantisme, dans une perspective aussi bien humaniste que socialiste. Les premiers rationalistes sont des communistes alignés sur la ligne de Moscou. L'exemple le plus notoire pour la période intéressée est l'Union rationaliste, ou UR, fondée en 1930. Maintenant, pourquoi ce choix des années 1970-1990 ? Ce sont des années déjà de grande ébullition politique et sociale. Ce sont les aspirations libertaires de mai 68. Ce sont les années de plomb, avec une forme de terreur politique sous les années Pompidou puis Giscard. C'est aussi la remise en question du consensus moderniste qui est issu de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et qui, pour faire simple, présente la modernisation, la modernité comme une fin en soi et la résolution des problèmes du genre humain. C'est une période aussi de gigantisme, de grande innovation scientifique. Ce sont de grandes dates pour l'histoire de l'aérospatiale. On fait de grandes avancées également en médecine. Et un corollaire est une importante émergence dans les sociétés occidentales des pseudosciences, des médecines alternatives, du charlatanisme, par exemple l'astrologie, par exemple la parapsychologie, par exemple tout l'occultisme autour de la sphère New Age, avec un orientalisme fantasmant. Et donc, pour cela, j'ai choisi d'initier mon étude par un cas à l'intersection de ces sensibilités, l'AFIS, donc l'agence, puis l'Association française pour l'information scientifique. Elle a été fondée en 1968 par Michel Rouzet, un éminent journaliste scientifique français. Et son but premier est donc de sensibiliser le grand public aux enjeux politiques et sociaux qui se cachent derrière les grandes innovations scientifiques. Nous voyons ici, par exemple, le tout premier cahier de l'agence, publié en novembre 1968. Je peux vous lire le début. « Notre but est de retenir chaque mois, dans l'actualité scientifique et technique, un certain nombre de faits pour en considérer d'abord la signification humaine. » Il y a cette idée qu'on ne sensibilise alors pas assez les gens aux enjeux sociaux et politiques derrière la science. On en vient à célébrer, par exemple, la construction d'un accélérateur de particules au sein de l'Europe comme une finalité en soi, sans parler des enjeux économiques, des enjeux de financement, des enjeux politiques, des enjeux de guerre froide, de faire que l'Europe puisse être une puissance à part entière concurrençant l'URSS et les États-Unis. Rouzet, dans sa revue, aura à cœur de parler, dans une période assez atlantiste de la France d'ailleurs, des diverses coopérations scientifiques franco-soviétiques. Il sera d'ailleurs, pour l'anecdote, invité dans un grand télescope du Caucase arménien. Donc, ici, mon enquête, car l'histoire, c'est avant tout une enquête de l'homme à travers le facteur temps, consiste d'abord par l'étude rigoureuse de chaque bulletin pour en découvrir la sensibilité propre à Michel Rouzet et faire ainsi un exercice de micro-histoire, du cas particulier, aller vers le cas global, le cas générique. Nous voyons ici d'ailleurs une belle illustration d'un des grands centres de l'intérêt de Michel Rouzet, l'astrophysique avec cette magnifique voie lactée représentée. Et la revue, à partir de 1985, se nomme « Science et pseudosciences ». Pourquoi je dis ça ? Car vous la trouverez toujours aujourd'hui chez pas mal de marchands de journaux. L'association est toujours vivante, j'ai des contacts avec eux. Et nous voyons ici d'ailleurs un sujet qui tient énormément à cœur les rationalistes de l'époque, les médecines parallèles, en gros les médecines alternatives. Donc je pense avoir dit ce que j'avais à vous dire, j'espère que la présentation vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. On va donc pouvoir accueillir Shanès Boukra.
Bonjour à tous. Je m'appelle Shanès Boukra, je suis étudiante en Master 1 à AgroParisTech. Je suis ravie d'être là devant vous aujourd'hui pour vous présenter le stage, ce que j'ai réalisé en stage à l'Université du Québec à Montréal au Canada. Donc, j'ai travaillé sur l'étude d'une interaction protéine-protéine en lien avec la sclérose latérale amyotrophique. Et je tiens à remercier chaleureusement le docteur Courriche et la professeure Lachance. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la sclérose latérale amyotrophique ? Il s'agit en fait d'une maladie neurodégénérative qui touche les motoneurones, c'est-à-dire les neurones qui innervent les muscles. Et chez les patients atteints de cette maladie, eh bien, en fait, ils souffrent de paralysie, puisque du coup, ces neurones ne marchent plus. Et pour la plupart d'entre eux, ils meurent par asphyxie, puisque les neurones qui innervent le système respiratoire ne marchent plus. Le diagnostic, l'espérance de vie après diagnostic est entre 3 et 5 ans. Et il n'y a pas de traitement curatif aujourd'hui, il n'y a seulement que des traitements palliatifs qui ont pour but d'atténuer les symptômes associés à la maladie. Il y a deux formes de cette maladie. Il y a les cas dits sporadiques, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à la génétique, mais sont plus en fait une conjoncture de facteurs environnementaux et génétiques non héréditaires, et des formes familiales qui représentent seulement 10% des cas, mais qui sont liées à la génétique. Et parmi justement ces formes génétiques, il y a 30 gènes qui sont incriminés et certaines mutations donc, qui sont très conservées, et en particulier celle de la protéine sigma-1R qui m'a intéressée pendant mon stage. Alors, qu'est-ce que cette protéine ? Donc, c'est une protéine de 223 acides aminés qui se situe au niveau des MAM, MAM pour Mitochondrial Associated ER Membrane. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une zone entre le réticulum endoplasmique RE et mitochondrie. Et donc, au sein de cette zone, la protéine sigma est liée à BIP, mais suite à certains signaux et suite à la liaison de certaines molécules, la protéine sigma peut se détacher de BIP et peut migrer vers la membrane plasmique, comme la flèche vous le montre. Et quand elle migre, en fait, cette protéine peut interagir avec d'autres protéines, notamment les canaux K+VD, donc ce sont des canaux voltage-dépendants qui interviennent dans l'excitabilité neuronale et en particulier dans les phases d'hyperpolarisation et de retour au potentiel de repos. Et c'est très important donc, pour l'excitabilité neuronale. Au niveau en fait, des mutations de sigma et en rapport avec la sclérose latérale amyotrophique, il y a une mutation qui a été décrite par le chercheur Al Saïf et son équipe. Il s'agit de la mutation E102Q. Alors E102Q, ça veut dire qu'il y a une mutation de type substitution au niveau du 102e acide aminé sur 223 et qu'il y a remplacement du glutamate E par de la glutamine Q. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Comme vous pouvez le voir, ce qui est entouré, c'est qu'il y a des fonctions chimiques différentes, donc passage d'acide carboxylique à amide, ce qui signifie donc que potentiellement la conformation est différente et donc peut-être que sa structure aussi. Et ce qui m'a intéressé pendant mon stage, c'était de savoir est-ce que ce mutant, il interagit encore avec notre canal potassique et comment cette interaction peut varier si on introduit une molécule qui est censée rétablir cette interaction. Donc il s'agit d'un agoniste. En l'occurrence, moi j'ai travaillé avec la PRE-084. Alors pour cela, donc, j'ai travaillé avec des cellules. Il s'agit des cellules que vous voyez tout là-bas, observées au microscope. Et pour cela, donc, en fait, on a fait une transfection, c'est-à-dire qu'on a fait un transfert de matériel génétique. On a incorporé du matériel génétique dans ces cellules, en particulier donc, les gènes de sigma et, ou la protéine mutée, ainsi que le canal potassique. Et ensuite, donc, on a traité à différents temps avec l'agoniste ou le véhicule. Donc, ici, c'était de l'eau qui a servi de témoin pour voir la différence. Et ensuite, donc, on a lysé les cellules pour récupérer l'extrait protéique, donc toutes les protéines de la cellule. Sauf que là, le problème, c'est qu'on a toutes nos protéines dans notre épaine d'ors sous là-bas, mais nous, on veut seulement en fait, nos protéines, donc sigma et le canal potassique, qui ont potentiellement interagi, et donc dans d'autres conditions, le mutant et le sigma et le canal. Et pour cela, donc, on fait une co-immunoprécipitation, et donc à l'issue de cela, donc on obtient ces résultats-là. Malheureusement, je ne peux pas vous les présenter, j'ai plus de temps, mais je serai ravie donc d'en discuter avec vous à la pause. Et donc pour conclure sur ce stage, donc ça a été vraiment très enrichissant, et le laboratoire continue d'y travailler à différentes échelles, notamment à l'échelle donc du tissu en faisant de l'électrophysiologie, mais aussi à l'échelle donc de l'organisme en faisant de l'étude comportementale en utilisant des souris transgéniques. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation. On va donc pouvoir passer à Liam de Souza. Bonjour à toutes et à tous. On va revenir en arrière, repartir sur de l'histoire, mais cette fois remonter plus de 3000 ans en arrière et changer de géographie en l'occurrence. Je vais vous présenter mes recherches effectuées dans le cadre de la première année de mon master en histoire culturelle et sociale au sein de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Je souhaite ici remercier Madame Evelyne Samama, professeure des universités, qui a dirigé mes travaux jusqu'ici et qui, je l'espère, va continuer de les diriger. Le titre de mes recherches, c'est la représentation du poulpe dans la céramique égéenne et italiote, donc de 1600 à 300 avant l'ère commune. Je vous ai épargné le titre avec les noms scientifiques des périodes pour éviter de trop endormir l'auditoire. Normalement, c'est la représentation du poulpe dans la céramique égéenne et italiote du Minoen récent jusqu'au début de l'époque hellénistique. Donc si vous n'avez pas compris, c'est normal. Alors, ces travaux généralement suscitent deux types de réactions. Soit on trouve que c'est très intéressant, soit on me demande qu'est-ce qui se passe par ma tête pour faire ce genre de choses. Je vais vous couper l'herbe sous les pieds, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, avec des enjeux qui ne sont pas forcément évidents, mais qui existent. Le poulpe est particulièrement représenté sur les vases grecs. Donc là, par exemple, vous avez une magnifique photographie tirée du musée du Louvre d'un cratère mycénien d'approximativement moins 1400, moins 1300, qui est conservé au musée du Louvre, et qui en fait est originaire de Crète. C'est un cratère minoen, pardon, si, je ne sais pas si je l'ai dit correctement. J'aimerais d'abord faire un petit aparté sur la différence entre les représentations et l'objet en lui-même. Donc si vous n'êtes pas familier avec cette notion, je vous invite à regarder La trahison des images par René Magritte, qui explique très bien cette notion. Ceci n'est pas un poulpe. C'est la représentation qu'on se fait d'un poulpe. Enfin, c'est la représentation que les Crétois de moins 1400 se faisaient de l'animal. Et il y a une différence plus qu'importante sur cette notion. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez voir correctement, mais si on regarde, il ne suffit pas d'être un grand expert des céphalopodes pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vous invite à compter le nombre de tentacules. Il n'est pas bon. Il n'y a que 6 tentacules. Les poulpes, ça en a systématiquement 8. C'est une question qui peut paraître un petit peu bizarre, mais pourquoi ? Vous pouvez voir aussi, il y a un bec, on n'est jamais censé le voir. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur ce type de représentation, et donc mon travail va consister à analyser et à comparer des vases et des fragments. Il y en a en tout 58 qui sont conservés dans 4 musées différents, le Louvre, le British Museum, le Metropolitan Museum of Art de New York et le Musée des Beaux-Arts de Boston. Ces vases, je vais les comparer pour essayer d'établir des caractéristiques de représentation, essayer de déduire une importance symbolique, culturelle et religieuse de l'animal à ces époques différentes. Je couvre une période très large, donc moins 1600, moins 300, ça fait beaucoup, avec des caractéristiques changeantes, une vision changeante de cet animal. Par exemple, jusqu'ici, c'est un animal qui est semi-mythique, qui est beaucoup représenté sur des vases comme ici, qui ont une fonction cultuelle et religieuse. Généralement, ils sont retrouvés dans des tombes, donc on ne va pas mettre un animal qui nous fait penser à des toilettes dans une tombe, on va plutôt mettre un animal qui a un lien avec le monde des morts, qui a un lien avec une certaine forme de divinité. Et donc ça donne des informations sur cette représentation. Le poulpe, aujourd'hui, on considère que jusqu'à 1100, c'est un animal semi-mythique, qui est très, très, très affilié au monde des morts et donc à l'au-delà. Malheureusement pour vous, ça ne s'arrête pas là. Je vais aussi comparer ces représentations avec des photographies effectuées en milieu naturel. Donc ici, c'est une photographie que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 4 ans. Vous remarquerez que c'est approximativement
la même position, la tête en bas, mais pas du tout le même mouvement, ce qui donne des pistes de lecture différentes. Donc je n'en suis qu'à la première année, il y a encore beaucoup à faire, mais jusqu'ici, tout va bien. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, juste avant, eh bien, il nous en reste deux, on va accueillir Raphaël Bordas. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet que je suis en train de réaliser dans le cadre de ma première année de master et qui porte sur le rôle des ondes cérébrales et leur dynamique spatio-temporelle dans la perception du temps chez l'humain. Donc, c'est un travail encadré par Virginie Wabasenov au CEA Paris-Saclay. Donc, je vais tout de suite commencer par préciser ce que j'entends par perception du temps, puisque du point de vue des neurosciences cognitives, donc les neurosciences cognitives, c'est la discipline qui s'attache à chercher à comprendre les bases neurales des grandes fonctions cognitives humaines. Donc on peut prendre comme exemple la prise des décisions ou encore la mémoire. Et donc de ce point de vue-là, il faut distinguer l'ordre donc d'événements passés, présents ou futurs en mémoire, la durée d'un de ces événements, et puis l'expérience phénoménologique que l'on peut avoir de cette durée, ce qu'on appelle communément le passage du temps. Et pour ce qui est des durées, il faut également distinguer, ainsi qu'on peut le voir sur la figure à droite, différentes échelles temporelles. Donc on passe en haut de la milliseconde avec des mécanismes impliqués dans la parole et la musique jusqu'au jour avec le cycle circadien de 24 heures. Et donc moi je m'intéresse à la perception de durée de l'ordre de la minute qui implique la mémoire dite épisodique. Donc c'est la mémoire des épisodes de vie personnelle de tous les jours qu'on peut opposer à une mémoire plus abstraite, plus sémantique. Et donc la question est de savoir quelle base cérébrale pour l'estimation de la durée d'épisodes de vie personnelle. Et pour regarder ces bases cérébrales, j'utilise l'électrophysiologie de surface. Donc on parle de surface, puisque ce sont des capteurs placés de manière non invasive tout autour de la tête des participants et des participantes, comme en magnétoencéphalographie sur la droite, ou en électroencéphalographie ou EEG sur la droite, pardon, et la MEG sur la gauche. Et ce qu'on va alors détecter va être l'activité synchrone de dizaines ou centaines de milliers de neurones qui vont générer un champ électrique et magnétique suffisamment important pour être détecté à la surface de la tête. Et donc mécaniquement, on va avoir des signaux avec une grande périodicité, comme ce qu'on peut voir sur cet électroencéphalogramme d'Ansberger en 1929. Donc c'est déjà à cette époque qu'on s'intéressait à l'activité cérébrale humaine. Et donc la principale approche en neurosciences cognitives humaines va alors être de mettre en évidence des corrélations entre une mesure psychologique, donc dans notre cas, ça va être la durée estimée dans l'intervalle de temps, et puis une mesure neurophysiologique, donc cette activité oscillatoire. Plus précisément, on va regarder ce qu'on appelle les ondes alpha. Donc, ce sont ces variations rythmiques de l'activité cérébrale entre 8 et 12 Hz, donc 8 et 12 cycles par seconde, qui sont de manière générale associées à l'état d'éveil et de vigilance. Et une propriété particulièrement intéressante de ces ondes est qu'elles sont irrégulières dans le temps. Donc, on peut le voir ici sur cet extrait de G avec en orange une partie du signal où la période, l'amplitude et puis la phase de l'oscillation sont beaucoup plus régulières que sur la partie noire de l'EEG, et donc une partie continue d'orange va être ce qu'on va appeler une bouffée d'activité, généralement située donc, à l'arrière de la tête, dans la région pariéto-occipitale. Ici, sur la topographie, noir foncé indique une présence plus importante de burst, ou bouffée d'activité. Et donc notre hypothèse de travail est qu'en marquant l'activité consciente, ces bouffées oscillatoires contribuerait à la construction du temps dit épisodique, donc la durée de ces épisodes de vie personnelle. Donc pourquoi cette hypothèse ? Eh bien, des travaux précédents de l'équipe ont montré que plus il y avait de bouffées d'alpha, plus la durée estimée d'un intervalle de quelques minutes est longue. Et donc cette observation, originellement faite en MEG, nous l'avons récemment répliquée en EEG, où on demandait aux participants combien de temps s'est-il écoulé depuis le début de l'enregistrement. Et donc on reporte cette estimation sur l'axe des ordonnées, de manière relative, donc 1 et le temps véridique. Et puis sur l'axe des abscisses, nous avons le nombre de bouffées d'activité que j'ai illustré juste auparavant, et nous avons donc cette corrélation positive entre nos deux variables. Et donc maintenant la question c'est qu'est-ce que cela veut dire ?
Et donc, nous nous intéressons maintenant à la propagation de ces ondes, puisque ces 10-20 dernières années, il y a eu de plus en plus de travaux dans la littérature sur cette propagation spatiale de ces ondes. On a ici l'exemple par Lyle Muller et collaborateurs dans des données de sommeil, donc une rotation anti-horaire de cette activité cérébrale. Et donc, dans notre cas, la question est de savoir si ces bouffées d'activité vont être localisées donc, dans ce que ces auteurs ont, les auteurs ont appelé un bump stationnaire, ou au contraire, est-ce qu'on va avoir une propagation de ces bouffées d'activité donc dans le cortex, avec finalement donc la définition de ce qu'on va appeler un réseau computationnel, où on va avoir un dialogue entre plusieurs aires cérébrales. Et donc tout mon travail de stage est de chercher à modéliser donc, ces ondes alpha dans ce cadre. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Et on accueille du coup Rania Barka. Bonjour à toutes et à tous. Pardon. Je m'appelle Rania Barka, je suis étudiante en deuxième année de master méthodologie et statistique en recherche biomédicale à l'Université Paris-Saclay. Et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter le sujet de mon stage de l'an dernier de recherche en épidémiologie que j'ai effectué au sein de l'équipe psychiatrie de développement et trajectoire au centre de recherche en épidémiologie et santé des populations et qui a porté sur le risque suicidaire des jeunes adultes vivant avec le VIH périnatal en comparaison à leurs pères non infectés en France. Donc tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le VIH périnatal, je vais vous le définir. Alors comme vous le savez, le VIH se transmet par les liquides corporels d'une personne infectée, y compris le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, mais la transmission peut également passer de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou encore l'allaitement. On parle ainsi de VIH périnatal ou VIHP. Donc, maintenant, contextualisons le sujet de notre étude. Alors, à la fin des années 90, il y a eu des améliorations majeures des traitements antirétroviraux, ce qui a permis aux enfants infectés par le VIHP d'atteindre l'adolescence et les débuts de l'âge adulte. Et en 2010, 1500 à 2000 enfants et ados vivant avec le VIHP ont été estimés en France. Néanmoins, ce progrès du pronostic vital était accompagné par des difficultés spécifiques au VIH, telles que le décès de parents, la stigmatisation ou encore des problèmes liés à la divulgation, ce qui peut affecter la santé mentale de ces jeunes. Donc, l'objectif de notre étude, c'était de comparer les prévalences des indicateurs de risque suicidaire des jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans vivant avec le VIHP à celles de leurs pères non infectés en population générale en France. Pour cela, et en ce qui concerne la population des jeunes vivant avec le VIHP, on a exploité les données à l'inclusion de la cohorte couverte COVID-19 qui a inclus entre 2010 et 2015 284 jeunes adultes vivant avec le VIHP auxquels ont été adressés des auto-questionnaires à remplir. Quant à la population générale, on a exploité les données de l'enquête transversale du baromètre santé qui a inclus en 2010 un échantillon représentatif de la population générale dont 2899 jeunes adultes non infectés par le VIH par le biais d'appels téléphoniques. Alors, pour ce qui est de l'analyse statistique, on s'est intéressé aux idées suicidaires et tentatives de suicide. L'analyse statistique a été menée sur le logiciel R séparément par le genre. Et tout d'abord, alors, on a calculé les prévalences, c'est-à-dire les pourcentages des jeunes adultes ayant des idées suicidaires et ayant tenté de suicider dans les deux populations en utilisant
des méthodes permettant de prendre en compte les différences des populations sur le niveau d'éducation et l'âge. Et ensuite, on a comparé ces deux, ces prévalences entre les deux populations en utilisant deux modèles log binomiaux et en prenant en compte plusieurs facteurs sociodémographiques et spécifiques au VIH, tels que le pays de naissance, le décès de parents, etc. Passons maintenant aux résultats. Alors, en couleur foncée sont représentés les individus vivant avec le VIHP et en couleur claire leurs pères non infectés en population générale. Donc pour les jeunes femmes, vous pouvez voir que les jeunes femmes vivant avec le VIHP étaient environ 5 fois plus susceptibles d'avoir des idées suicidaires que leurs pères non infectés en population générale et étaient environ 2 fois plus susceptibles de tenter de se suicider que leur père non infecté en population générale. Quant aux hommes, les hommes vivant avec le VIHP étaient environ 5 fois plus susceptibles d'avoir des idées suicidaires que leur père non infecté en population générale. Cependant, il n'y a pas eu de différence significative entre les deux populations en ce qui concerne les tentatives de suicide. Alors, les analyses qu'on a menées ont pris en compte les facteurs qui pourraient expliquer les caractéristiques des jeunes adultes vivant avec le VIHP et ont démontré ainsi des différences significatives entre les deux populations en ce qui concerne le risque suicidaire. Donc, ce qui soutient la nécessité de maintenir et développer les soins visant à améliorer la santé mentale de ces jeunes vivant avec le VIHP en France. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à venir me voir. On discutera. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va faire une petite session technique sur la bannière pendant que on va pouvoir préparer la vidéo d'Audrey Paulien. Allez, c'est parti. Depuis 7 ans, je fais de la recherche en Allemagne. Et la question qui m'a été le plus posée, c'est « Mais tu fais quoi exactement en Allemagne ?» Je me suis donc dit que de l'expliquer en vidéo, ça serait plus facile. Alors, c'est parti. Si vous avez un jour touché un peu à la chimie, vous avez probablement rencontré cet appareil, un spectrophotomètre. En gros, dans cet appareil, on sépare la lumière blanche en toutes ses différentes couleurs et on les envoie chacune leur tour sur des molécules. Avant l'arrivée de la lumière, toutes les molécules sont dans l'état fondamental, donc au repos. Mais si la lumière colorée qui arrive a exactement la bonne couleur pour que la molécule puisse atteindre un nouvel état, alors la molécule va retenir cette lumière, on dit qu'elle l'absorbe et arrive dans un état excité. Si la lumière n'a pas la bonne couleur pour exciter la molécule, alors la molécule laisse passer la lumière. Tout cela se représente sur un spectre, et là où il y a des bandes, cela signifie que la molécule a absorbé la lumière de cette couleur. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'avec un tel appareil, une seule et unique particule de lumière, appelée photon, peut être absorbée pour amener la molécule dans un état excité. Alors ça, c'est bien joli quand on a une source de lumière pas trop puissante. Parce que quand on utilise une source de lumière très puissante comme un laser, ça se complique et le côté obscur de la force apparaît. J'ai nommé les phénomènes optiques non linéaires. Contrairement à ce sur quoi j'ai insisté il y a quelques secondes, il va être possible que les molécules absorbent simultanément deux photons moins énergétiques pour quand même atteindre un état excité. Alors ça, ce n'est pas de la crème, car il faut qu'un premier photon soit absorbé pour que la molécule atteigne un état virtuel dont l'existence est environ 10 millions de milliards de fois plus courte que la durée d'un clignement d'œil et que pendant cette très courte durée, un autre photon soit absorbé par la molécule.
Vous vous imaginez bien que cette probabilité est très faible, mais elle existe. L'unité utilisée pour mesurer l'efficacité de cette absorption de deux photons, c'est le Geppert-Meyer. Ce que vous devez en gros garder à l'idée, c'est que 1 Geppert-Meyer, ça correspond à une efficacité d'absorption d'un photon sur 10 puissance 50. Maintenant, comment mesure-t-on de si petites choses? Pour explorer l'infiniment petit, eh bien on utilise le très grand. Voici mon bazooka, le Z-Scan. C'est lui qui m'aide à appréhender le côté obscur de la force. Sans entrer dans les détails, l'idée est de focaliser un faisceau laser sur un échantillon et de détecter la lumière restante après le passage par l'échantillon, alors que celui-ci se déplace plus ou moins loin du point focal. Pour chaque énergie délivrée par le laser, on va obtenir une courbe de ce type à laquelle on applique quelques formules mathématiques et là, bingo, on a notre section efficace d'absorption de photons pour une valeur précise d'énergie du laser. En faisant cela pour différentes énergies du laser, on obtient finalement une idée du spectre d'absorption à deux photons. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comparer cette absorption à deux photons sur des molécules ayant des couches électroniques fermées ou des couches électroniques ouvertes. Dans une molécule à couche fermée, c'est comme si chaque électron avait son cavalier. Tout est bien rangé, organisé, comme une soirée protocolaire au palais de Naboo. Tout se déroule sans accroc, assurant ainsi une stabilité digne d'un maître Jedi. Mais lorsque vous vous aventurez dans une molécule à couche ouverte, c'est comme affronter Dark Vador sans votre sabre laser. Les électrons sont comme des rebelles sans cause, se baladent librement et interagissent les uns avec les autres, menaçant de tout plonger dans le chaos. Autrement dit, ça risque de dégénérer plus vite que le temps qu'il faut pour dire « je suis ton père ». Mais alors, pourquoi s'intéresser à ces molécules? Parce qu'on a observé qu'en modifiant simplement la position des atomes de soufre, on pouvait changer le caractère fermé ou ouvert de ces molécules. Et ce qu'on a surtout observé, c'est que les molécules à couche ouverte montrent une absorption à deux photons environ 7 fois plus importante que leurs copines à couche fermée. L'utilisation de l'absorption à deux photons a déjà trouvé de nombreuses applications, notamment dans la micro-impression 3D pour sa très grande résolution spatiale qui lui permet d'augmenter considérablement la qualité d'impression et de réduire les dommages induits par la lumière. Merci Audrey pour cette vidéo et on va pouvoir du coup accueillir Dorian Mendes. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis étudiant en première année à l'Institut d'Optique, donc forcément je vais vous parler de lumière. Et plus précisément, je vais vous parler de la redétermination de la courbe de sensibilité spectrale de l'œil, qui décrit le rapport qu'il existe entre le flux énergétique d'une source lumineuse et le flux que nous en recevons. Donc, avant de chercher à... Enfin, pourquoi je vous en parle déjà? Parce qu'il y a 100 ans, en 1924, la Commission internationale de l'éclairage a adopté officiellement cette courbe. Cette courbe, elle est très importante car on s'en sert pour définir des unités internationales comme le lumen, le lux ou la candela, par exemple, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur nos ampoules. Alors, pourquoi je vous en parle donc? Pour ça, et on va d'abord regarder comment elle a été définie à l'époque. Alors, à l'époque, il y a des petits problèmes avec moi quand même, hein. Je suis opticien, pas électronicien, je suis désolé. Donc, on venait projeter une lumière bleue, enfin une lumière colorée et une lumière de référence face à un individu, et on lui demandait de venir égaliser les luminosités entre ces deux couleurs.
une fois... C'est... Des petits problèmes aujourd'hui, hein, vraiment. Une fois qu'on arrive à égaliser ces deux couleurs, on a donc égalisé les luminosités. Mais de fait, on n'a pas égalisé les puissances. Et donc, en faisant le rapport de ces deux puissances, on vient définir l'efficacité spectrale, ou plutôt la sensibilité spectrale, donc, qui est la courbe qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui est important de remarquer, c'est que ce coefficient il dépend de la longueur d'onde et de l'individu qui est en train de faire l'expérience. Ainsi, en réitérant le protocole pour toutes les longueurs d'onde du spectre visible, on obtient la fameuse courbe V lambda, la courbe de sensibilité spectrale de l'œil, qui a 100 ans cette année. Alors, ça pourrait totalement être anecdotique, mais en réalité, le 3 juin prochain, des célébrités de la photométrie mondiale vont se rejoindre à Paris, ici, pour célébrer le centenaire de cette courbe. Et moi, j'ai eu l'opportunité de participer à un projet mené par le Conservatoire des Arts Appliqués, qui était de recréer cette expérience pour un amphithéâtre en direct. Le défaut de cette méthode, c'est qu'on peut retracer la courbe uniquement pour un individu, alors que nous, on le veut pour tout un amphi, et que cette méthode, elle est très longue. Alors, nous, on utilise une deuxième méthode qu'on appelle la photométrie par minimum de papillotement. Cette méthode, elle se base sur la manière dont remonte le signal visuel dans notre cerveau. En particulier, le signal visuel emprunte deux voies, la voie parvocellulaire et la voie magnocellulaire. Ces deux voies sont totalement complémentaires, mais elles sont tout aussi importantes pour voir les formes et les couleurs. Mais ce qui les différencie réellement, c'est le temps de réponse entre les deux. Il y en a une qui est beaucoup plus lente et l'autre beaucoup plus rapide. Sans rentrer dans les détails, si je viens refaire la même expérience que tout à l'heure, mais cette fois-ci en alternant la lumière colorée et ma lumière blanche, alors je vais obtenir un phénomène un peu étrange qui est un minimum de papillotement. On va mieux le voir sur l'animation. Donc ici, je viens faire alterner une lumière bleue et une lumière blanche à différentes intensités. Et on voit sur les bords que ça clignote fort, mais que sur la gauche, quelque part là-bas, vers le B, on voit un minimum. Ce minimum, en fait, il vient traduire l'égalisation des luminosités. Et donc, comme tout à l'heure, grâce à cela, je peux définir la sensibilité spectrale. Ainsi, je peux le faire pour d'autres couleurs. Ici, pour du vert, on voit que le minimum se déplace vers la droite. Et pour du rouge, il se redéplace vers la gauche, un peu autour du B ou du C. Ainsi, en conservant en mémoire les choix faits par les utilisateurs, on vient retracer notre fameuse courbe V lambda. Alors elle est certes beaucoup moins précise que celle qu'on a tracée il y a 100 ans, mais elle a le gros avantage d'être tracée en quelques secondes. Vous avez vu, aujourd'hui, en une vingtaine de secondes, tout le monde a eu 3 points de sa courbe. Alors c'est la méthode qu'on va utiliser dans quelques semaines, mais au-delà de l'expérience anniversaire, il y a de grandes... Ce système pourrait être utilisé en recherche pour étudier plus en profondeur le système de perception visuelle en comparant les résultats de différents groupes d'individus. Par exemple, là, on voit qu'en fonction de l'âge, on perd la sensibilité du bleu. Ainsi, en faisant des expériences sur différents groupes en fonction de l'âge, du sexe ou du lieu géographique, on pourrait ainsi adapter nos spectres lumineux, comme par exemple dans les maisons de retraite ou les crèches, pour améliorer le bien-être des résidents. Je vous remercie pour votre attention et désolé pour les petits problèmes de micro. Merci beaucoup pour cette présentation et on va donc pouvoir accueillir Livia Labelle et Juliana Imon.
Ça fonctionne. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Livia Labelle et voici Juliana Imon. Et on est toutes les deux étudiantes en troisième année de licence de droit à la faculté Jean Monnet de Sceaux. Et aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle vague de législation européenne en matière de responsabilité sociale des entreprises. Alors cette présentation, elle a été conçue dans le cadre de l'atelier de recherche pluridisciplinaire de troisième année de licence de droit, dirigé par M. Guéric Mélan. Et ça avait pour objectif d'initier les étudiants en droit à la recherche, au travail d'équipe, via la conception d'une présentation critique qui mêle deux disciplines. Donc, je vais commencer cette présentation par un constat, qui est que la lutte contre le réchauffement climatique doit passer par le droit. Et je pense que vous avez déjà tous dû entendre parler du Green Deal européen, qui est une initiative de la Commission européenne qui a pour but de lutter contre le réchauffement climatique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et aboutir à la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc ce Green Deal, il a été adopté dans le cadre d'un mouvement qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, qui peut se définir par l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations environnementales, sociales, dans leurs activités, mais également dans leurs relations avec leurs parties prenantes. Et donc, dans le cadre de ce Green Deal européen, l'Union européenne a adopté récemment deux directives sur lesquelles on va revenir plus tard. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'était de se demander si ces directives, cette nouvelle vague de législation européenne, elle est réellement à la hauteur des enjeux environnementaux contemporains. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'était de savoir, c'est la question de la sincérité, de l'engagement de l'Union européenne vis-à-vis de la protection de l'environnement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Union européenne, elle a été créée au départ avec pour objectif de promouvoir les échanges commerciaux. Et ce n'est que très récemment que le développement durable, la protection de l'environnement ont été inscrits dans les traités. Et donc il y a une initiative qui s'appelle le procès de la RSE, où des ONG, des syndicats et des entreprises ont accusé l'Union européenne de greenwashing. Et c'est une expression qu'on utilise souvent pour les entreprises, mais qui a été utilisée ici pour l'Union européenne, en se demandant si elle n'utiliserait pas la protection de l'environnement et le développement durable comme une façade pour, en réalité, stimuler la compétitivité et les investissements européens. Et donc la deuxième question qu'on s'est posée, c'était sur la forme juridique de la directive. Parce qu'en fait, ces réglementations environnementales, elles ont été prises sous la forme de la directive, qui est un acte qui est pris par l'Union européenne. Et ensuite, les États membres, ils vont devoir, dans leurs droits nationaux, transposer ces mesures, c'est-à-dire prendre des mesures nationales qui vont respecter ces objectifs. Et nous, on trouve ça paradoxal parce que la procédure de transposition, elle dure en général de 2 à 3 ans. Il y a un risque que les États membres ne transposent pas la directive. Et pour sanctionner cette non-transposition, c'est des procédures qui sont assez lourdes, assez longues et difficiles à mettre en place. Pour nous, il aurait été plus judicieux de prendre comme forme juridique le règlement parce qu'il peut être comparé à la loi nationale, c'est-à-dire qu'il est directement applicable dans les États membres et des sanctions sont immédiates. Finalement, peu importe la raison pour laquelle ces textes ont été adoptés, et on peut saluer le fait que l'Union européenne s'empare de ces questions. Ensuite, nous nous sommes concrètement penchés sur les dispositions des directives, mais par souci de temps, nous nous concentrerons uniquement sur la directive CS3D. En effet, elle met en place un plan de vigilance et elle a été adoptée par le Parlement européen le 24 avril 2024, il y a un mois. Ce plan de vigilance est un document élaboré par les sociétés et il permet en fait de... l'idée est d'identifier et également de prévenir les atteintes graves à l'environnement. Pour que cela soit plus concret, nous allons prendre un exemple, parce que certaines sociétés mettent en place des stratégies de contournement de la responsabilité, et donc nous n'avons pas le temps de voir ça, mais je vais conclure directement. Ainsi, cet atelier nous aura permis de nous pencher sur la méthodologie de recherche en droit et de développer notre esprit critique. Cela nous a permis de comprendre que la protection de l'environnement et le droit européen sont des matières assez politiques. Il est aussi important de comprendre que les questions environnementales sont assez diverses et d'avoir un équilibre entre le développement économique des États membres et la protection de l'environnement. Et donc des compromis seraient nécessaires pour les États membres de l'Union européenne. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous allons accueillir Victor Dupic-Miquel. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux que j'ai faits dans le cadre du parcours recherche de Centrale Supélec dans l'équipe Biomime du PMMH sous la direction de Ramiro Godoy-Diana et de Vincent Stine sur la nage des serpents. Avant de vous en parler, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on étudie un serpent ? Comme vous le voyez sur ces images, le serpent a une forme très simple. Et pourtant, il a la capacité de bouger chaque bout de son corps, ce qui lui permet de produire une très grande variété de mouvements et notamment d'inspirer certains robots et est très utile dans de nombreux champs. Et mon équipe s'intéresse particulièrement à la nage du serpent qui pratique la nage anguilliforme, c'est-à-dire qu'il se déplace sur l'eau en ondulant l'entièreté de son corps. Et cette nage, elle est à la fois présente chez les serpents et chez les anguilles qui sont très éloignées de manière évolutive. Donc, on peut se demander si la convergence de ce moyen de locomotion amène à la question de est-ce que la nage anguilliforme permet de se déplacer facilement sans dépenser beaucoup d'énergie ? C'est une question vaste, encore ouverte, qui peut se décomposer en beaucoup de sous-problèmes. Et aujourd'hui, j'ai essayé de vous présenter la première marche de cette question. C'est se demander comment est-ce qu'un serpent avance sur l'eau. En locomotion animale, le but est d'essayer de regarder toutes les interactions qu'a notre animal avec son environnement, qu'on appelle force, et grâce à ces forces, on va réussir à retrouver le mouvement global de l'animal. Ici, avec le guépard, il y a un certain nombre de forces qui s'appliquent sur lui. Il a des forces qui vont pour le mouvement, comme ses pattes qui appuient sur le sol, des forces qui le freinent, comme la traînée de l'air, des forces neutres qui ne vont pas forcément contribuer à son mouvement. Et grâce, en connaissant toutes ces forces, on va pouvoir retrouver le mouvement de l'animal et notamment sa vitesse. Là où on complexifie un peu les choses avec le serpent, c'est qu'il va utiliser tout son corps pour avancer, l'entièreté de son corps. Donc, la méthode est la suivante. On segmente notre serpent en plein de petits bouts, plein de petits cylindres avec des différentes épaisseurs. Et en segmentant notre serpent, on va étudier les forces locales qui s'appliquent sur chaque cylindre pour ensuite revenir aux forces globales. La première force, qui a été théorisée dans un papier de Taylor en 1952, ce qu'on appelle les forces résistives, qui sont dues au fait que notre serpent, il ondule. Et pendant cette ondulation, chaque bout de son corps va appuyer sur le fluide et en appuyant d'un côté, va créer un peu de vide de l'autre côté. Ça va créer une différence de pression entre l'avant et l'arrière du cylindre qui entraîne ce qu'on appelle la force de traînée de pression qui, comme vous le voyez sur ce schéma, peut aller vers le mouvement ou à l'encontre du mouvement, mais qui globalement, vu que le serpent a différentes épaisseurs le long de son corps, aura une contribution propulsive pour ce dernier. La deuxième force que je vous présente ici, c'est la force de Lighthill, qu'on appelle force réactive, qui est dû au fait que chaque petit bout de cylindre vont accélérer et en accélérant vont embarquer un bout de fluide avec eux. Et cette masse ajoutée de fluide entraîne une force en réaction, qu'on appelle la force de masse ajoutée, qui comme avant peut aller pour ou contre le mouvement, mais qui globalement aura une portée propulsive. Et la dernière force que j'essaye de vous présenter ici, c'est la force de traînée de peau, qui est due à l'interaction entre la peau du serpent et l'eau, il va y avoir des frottements entre ces deux éléments, et ces frottements vont freiner le serpent dans sa course, vont l'empêcher d'avancer, donc il y aura une contribution purement contre le mouvement. En vous présentant ces forces-là, on arrive à créer un modèle de force qui peut nous permettre de déduire une cinématique. Ce modèle est purement théorique. Et ça a été la première étape pour moi, dans le cadre de mon parcours recherche, de comprendre ce modèle.
Et ensuite, maintenant, j'essaye de confronter ce modèle théorique à la réalité expérimentale en prenant des données cinématiques, de vidéos, comme vous les avez vues tout à l'heure, pour regarder si ce modèle est complet et est-ce qu'on peut et voir comment on pourrait l'améliorer. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je pourrais y répondre avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va enchaîner avec une vidéo. Et nous allons regarder la vidéo de Charlotte Martre. Bonjour, je m'appelle Charlotte Martre et je vais vous présenter un travail que j'ai effectué dans le cadre de mon mémoire de M2 en économie sur l'organisation des files d'attente dans les programmes de dons de reins croisés. Pour commencer, vous vous demandez sans doute ce qu'est un programme de dons de reins croisés. Il s'agit d'une solution développée pour permettre à certains patients atteints d'insuffisance rénale d'obtenir une greffe. Pour mieux comprendre, prenons le cas de Monsieur P. Disons que Monsieur P est un patient atteint d'insuffisance rénale pour qui le meilleur traitement possible serait d'obtenir une greffe. Monsieur P a alors plusieurs solutions. La première est de s'inscrire sur liste d'attente pour obtenir un rein provenant d'un donneur décédé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de donneurs que de patients en attente de greffe. Je fais une pause, ça a l'air d'aller un peu. Mais non, on est sur la bonne vitesse. La vraie. Non, on est sur la bonne vitesse, pourtant, je n'ai pas vu de différence. Allez, c'est pas grave, on recommence. Mais pas semblé en la regardant. On recommence. Je peux essayer. Je peux, mais ça va prendre plus de temps. Allez, on s'accroche et on redémarre. Bonjour, je m'appelle Charlotte Martre et je vais vous présenter un travail que j'ai effectué dans le cadre de mon mémoire de M2 en économie sur l'organisation des files d'attente dans les programmes de dons de reins croisés. Pour commencer, vous vous demandez sans doute ce qu'est un programme de dons de reins croisés. Il s'agit d'une solution développée pour permettre à certains patients atteints d'insuffisance rénale d'obtenir une greffe. Pour mieux comprendre, prenons le cas de Monsieur P. Disons que Monsieur P est un patient atteint d'insuffisance rénale pour qui le meilleur traitement possible serait d'obtenir une greffe. Monsieur P a alors plusieurs solutions. La première est de s'inscrire sur liste d'attente pour obtenir un rein provenant d'un donneur décédé. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de donneurs que de patients en attente de greffe à l'heure actuelle en France comme à l'étranger, et le temps d'attente pour obtenir une greffe peut être extrêmement long. Une autre possibilité pour Monsieur P est de passer par ce que l'on appelle le don vivant, c'est-à-dire que l'un de ses proches peut lui donner un rein s'il est compatible. Dans ce cas, pas de problème de temps d'attente, Monsieur P peut directement recevoir le rein de son donneur. Alors disons qu'une proche de Monsieur P accepte de lui donner un rein. Le problème, c'est qu'il se peut que Monsieur P et sa donneuse ne soient pas compatibles. Quelle solution s'offre à eux dans ce cas? La première est ce qu'on appelle la désensibilisation, c'est-à-dire que Monsieur P peut prendre une forte quantité d'immunosuppresseurs pour forcer son système immunitaire à accepter la greffe. Le problème, c'est que le risque d'échec est très élevé. L'autre possibilité, c'est le don de rein croisé. L'idée est de rassembler plusieurs paires formées par un patient et son proche incompatible et d'essayer de trouver des compatibilités croisées entre elles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Disons que l'on identifie une compatibilité entre la paire formée par Monsieur P et sa donneuse et une autre paire dans le même cas. La donneuse de Monsieur P, qui ne peut pas lui donner directement, pourra en revanche donner à la patiente de l'autre paire, et le donneur de cette patiente pourra donner à Monsieur P. Ainsi, les patients échangent leur donneur, permettant à chacun de recevoir simultanément un rein compatible. Alors tout ça semble très bien, mais en quoi ça intéresse les économistes? Eh bien, depuis les années 2000, ils ont aidé à organiser ces échanges en construisant des modèles permettant d'étudier la manière optimale de les effectuer. Par exemple, faut-il faire des échanges 2 à 2, comme dans l'exemple mentionné, ou organiser de plus longs cycles? Faut-il donner une priorité plus forte aux patients plus vulnérables, etc. Ces différentes manières d'organiser les échanges vont avoir un impact sur l'expérience des patients, notamment sur leur temps d'attente ou leur chance d'obtenir une greffe via le programme. Par conséquent, la manière d'organiser l'échange risque d'avoir un impact sur la décision d'une paire d'y participer ou non. Pourtant, cette question n'a pas été très explorée jusqu'à présent dans la littérature économique. Alors on pourrait penser que si la question n'a pas été explorée, c'est qu'elle n'est pas pertinente, que les programmes sont toujours attractifs, que les paires sont toujours contentes d'y participer quoi qu'il en soit, et quelles que soient les caractéristiques du programme. Cependant, il semble que ce ne soit pas vraiment le cas. Par exemple, en France, un programme a été mis en place en 2013, mais contrairement à d'autres pays, il ne parvient pas à attirer du monde et à grossir. Entre 2013 et 2018, seulement 78 paires ont décidé de participer au programme, un nombre très faible par rapport au nombre de patients qui pourraient potentiellement être concernés. Les médecins semblent attribuer cela au fait que les patients préfèrent se tourner vers d'autres sources de transplantation, car le programme est pour l'instant trop petit pour être attractif. En termes économiques, il semblerait qu'on soit bloqué dans un mauvais équilibre.
Un équilibre, c'est en quelque sorte une situation stable où personne n'a intérêt à changer son comportement. Ici, pour la plupart des paires, ce n'est pas profitable de rejoindre le programme tant qu'il n'est pas plus gros, car s'il y a trop peu de paires, la chance d'en trouver une compatible est assez faible. En même temps, le programme ne peut pas grossir tant que la majorité des paires raisonnent comme ça et préfèrent essayer de trouver une greffe par un autre moyen. On est donc coincé. Cependant, les médecins ont l'air de penser que la situation pourrait s'améliorer si on arrivait une bonne fois pour toutes à faire grossir le programme. En termes économiques, on peut penser qu'il existe un meilleur équilibre, c'est-à-dire une situation où beaucoup de paires pourraient participer au programme, ce qui donnerait envie à de nouvelles paires d'y participer et permettrait au programme de rester gros. Eh bien, c'est la question à laquelle je m'intéresse. L'idée est de construire un modèle qui représente le programme de dons de reins croisés, avec différentes paires arrivant à différents moments, décidant de si elles ont envie de participer au programme ou non, en fonction de ce qu'elles observent du fonctionnement de ce programme et de son état. L'idée est de voir si dans ce modèle, plusieurs équilibres sont possibles. Est-ce qu'on a bien, par exemple, la possibilité d'avoir un bon équilibre, avec une forte participation et beaucoup de paires qui participent, ou un mauvais équilibre, avec une faible participation? Et si c'est le cas, d'étudier une solution pour passer du mauvais équilibre au bon équilibre, pour ne pas rester coincé. Ce que j'ai fait, c'est modéliser un système dans lequel on a plusieurs paires qui attendent de trouver une paire compatible et de nouvelles paires qui décident si elles veulent ou non rejoindre le programme. Prenons l'exemple de M. P. Quand il arrive avec sa donneuse incompatible, il décide s'il souhaite participer au programme. S'il participe, il va alors découvrir s'il est compatible avec l'une des paires déjà présentes, auquel cas il pourra échanger immédiatement avec cette paire. Si ce n'est pas le cas, M. P et sa donneuse devront décider s'ils veulent rester dans le programme pour attendre l'arrivée d'une paire compatible dans le futur. J'ai pu modéliser la manière dont M. P va prendre ses décisions en fonction des caractéristiques du programme et notamment de sa taille. En un mot, M. P a intérêt à participer seulement si le programme est suffisamment gros pour que les chances de trouver immédiatement une paire compatible soient grandes, mais aussi si le programme garantit un temps d'attente suffisamment faible dans le cas où un échange immédiat ne serait pas possible juste au moment de l'arrivée de M. P. Avec cette modélisation des décisions, j'ai pu montrer qu'on obtient bien plusieurs équilibres possibles, et notamment des équilibres avec faible participation et très peu de paires dans le programme, et d'autres avec forte participation et beaucoup de paires dans le programme. Ce qu'il reste maintenant à étudier, c'est lequel de ces équilibres permettra le plus grand nombre de greffes, avec le temps d'attente le plus faible possible pour les patients, et comment organiser le programme pour permettre d'atteindre ce meilleur équilibre. Ben merci à Charlotte pour cette vidéo et on va pouvoir accueillir Lucas Coury pour sa présentation. Hello, ok. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ici pour vous présenter la thématique de mon stage de M2 que j'ai effectué à l'IBENS dans l'équipe du professeur Terence Strick et qui a porté sur la dynamique de la réparation des cassures d'ADN double brin en molécule unique. Et j'ai été supervisé par, Fianzo Smith-Clark. Alors, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi l'ADN. Bon, là, j'ai... Pour vous illustrer ça, j'ai Roger avec moi. Bon, il est un peu timide, donc il ne faut pas trop lui en vouloir. Bon, si vous zoomez sur Roger, vous allez voir qu'il est constitué de cellules. Et si vous zoomez dans une cellule, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a de l'ADN. Bon, mais l'ADN, c'est quoi? Ça sert à quoi? Votre cellule, pour survivre, elle a besoin de construire tout un tas de petits trucs. Et elle a besoin aussi de savoir comment réagir dans certaines situations. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Et quand la cellule ne sait pas, elle demande à l'ADN. Et après, elle sait comment faire. Donc l'ADN, c'est un peu le mode d'emploi de votre cellule. Bon, le truc, c'est que l'ADN, on vient de voir à quel point c'est important, il peut lui arriver quelques bricoles dans la vie. Bon, parfois, il se balade dans la rue et il rencontre des très gros méchants. Et après, il est tout cassé. Bon, votre cellule, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, donc entre-temps, elle a prévu le coup et elle est capable de le réparer. Mais comment est-ce qu'on fait pour réparer de l'ADN? On commence par se rendre compte qu'il y a un problème, donc on détecte qu'il y a un souci. Ensuite, on raboute à côté, on les remet à côté, les deux bouts qui sont cassés, puis on les colle. Ce n'est pas très compliqué au final. Et pour faire ça, votre cellule, elle a engagé les Power Rangers. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon sujet, c'est de regarder l'arrivée et le départ de Force Rouge.
dans le contexte de ce mécanisme de réparation. Bon, pourquoi est-ce qu'on s'embête à étudier ce mécanisme ? C'est très simple, dans la vie, il y a deux types de cellules, les gentilles et les méchantes, c'est pas vrai, mais il y a les cellules saines et les cellules cancéreuses, ça c'est vrai. Et les deux, elles ont de l'ADN, les deux, elles peuvent le casser, mais les cellules cancéreuses, elles sont dites génétiquement instables, donc elles vont en casser plus. Et après, ça se fait réparer, donc on s'en fout. Mais si on comprend mieux comment fonctionne ce mécanisme de réparation, alors on peut mieux l'empêcher de fonctionner, et alors on va tuer des cellules saines, ça c'est pas cool, mais on va tuer plus des cellules cancéreuses, et ça c'est vachement cool. Bon, comment est-ce qu'on fait pour observer ce genre de choses ? Enfin, c'est pas super facile de tout observer, notamment en biologie, hein, mais on a plein de super méthodes, vous allez voir. Soit vous observez quelque chose directement avec vos petits yeux, soit vous l'observez indirectement. Bon, votre ADN, vous allez avoir du mal à l'observer avec vos petits yeux, donc on va plutôt s'orienter vers la méthode indirecte. Hein. Et dans mon labo, on a notamment deux méthodes pour faire ça. On a les pinces magnétiques et la fluorescence. On va accélérer. Tout d'abord, on va commencer avec les pinces magnétiques. Vous allez voir, c'est super facile. Les pinces magnétiques, pour faire une expérience de pinces magnétiques, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin d'une molécule d'ADN, d'une bimagnétique accrochée à un bout, d'une surface accrochée à l'autre bout, et d'un aimant. Et en faisant varier la hauteur de l'aimant, vous allez tirer plus ou moins fort sur la bille, et donc votre molécule d'ADN elle va être plus ou moins étirée. Et donc, autant votre ADN, vous ne pouvez pas le voir, par contre, la bille magnétique, on arrive à la voir, et donc, expérimentalement, vous vous retrouvez avec ce genre de choses, vous arrivez à voir la hauteur de la bille au cours du temps. Bon, sauf que cette construction, elle ne m'aide pas vachement pour étudier la réparation de l'ADN, donc je vais utiliser un truc un peu plus compliqué qui ressemble plutôt à un truc comme ça. Et pourquoi j'utilise un truc comme ça ? C'est parce que ce truc-là, ça ressemble vachement à une cassure. Bon, et expérimentalement, on se retrouve avec un truc un peu plus différent. On a trois états avec un état intermédiaire quand l'ADN il est réparé. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça molécule unique. C'est parce qu'à chaque bille, il y a une molécule d'ADN. Voilà, on n'est pas allé chercher très loin. Donc, je vais vous parler de la fluorescence maintenant. Alors, la fluorescence, c'est super simple. On n'est toujours pas allé chercher très loin. Force rouge, j'ai envie d'observer son arrivée et son départ, mais j'arrive pas à voir force rouge. Bon, force rouge toute seule, on n'arrive pas à la voir. Donc, on s'est dit qu'on allait accrocher un truc qu'on arrivait à voir. Et sauf que ce truc-là, on appelle ça un fluorophore. Donc, pour pouvoir le voir, on ne peut pas le faire à l'œil nu. Mais si on rajoute une lumière spéciale, tout d'un coup, on le voit. Hop. Et voilà. Et donc, c'est comme ça, ce sont les expériences. Enfin, ça, c'est le type d'expérience que je fais au labo. J'ai ma super construction. Je lève l'aimant, du coup, il y a tout qui s'écroule. Ensuite, je rajoute les Power Rangers. Et on allume la lumière. On voit que force rouge, il s'accroche. Puis ensuite, il s'en va. On peut mesurer donc le temps que force rouge est resté sur notre ADN. Ensuite, on rapproche notre aimant. Il y a tout qui remonte, sauf qu'on voit que la bille, elle ne remonte pas tout en haut. Donc, on sait que les Power Rangers, ils sont encore là. Et ensuite, ils vont s'en aller. Et là, hop, la bille, elle remonte tout en haut. Et là, on peut donc mesurer le temps que les Power Rangers y sont restés. On a pu voir l'arrivée et le départ de force rouge. Et on est super content. Et on peut étudier l'un par rapport à l'autre, hein, et ça c'est cool. Bon, maintenant vous savez qu'il y a des Power Rangers dans votre corps qui permettent de réparer votre ADN tous les jours et qui vous sauvent la vie, et ils vous souhaitent un excellent congrès. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, nous allons pouvoir accueillir Flore Bayavoine. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Flore Bayavoine et je vais vous parler de mon projet qui est le développement de matériaux biosourcés aux propriétés antimicrobiennes pour l'industrie des emballages actifs. Je réalise ce projet dans le cadre de ma deuxième année de master en tant qu'un stage et je suis sous la direction scientifique du docteur Caroline Aimé-Chedur et du docteur Anen Salmimani. Mes projets s'effectuent au sein de l'Institut de chimie moléculaire et matériaux d'Orsay et plus particulièrement dans l'équipe SM2Vie. Je vais commencer malheureusement par vous annoncer les mauvaises nouvelles. Je vais vous parler de nombres très alarmants sur la production plastique actuelle dans le monde. Il faut savoir que 99% du plastique que nous utilisons quotidiennement provient des ressources pétrochimiques. On a une production plastique dans le monde d'environ 400 milliards de tonnes tous les ans et bien sûr tout ceci génère des déchets. Environ 350 millions de tonnes chaque année dans le monde.
Parmi ces déchets, 19% sont incinérés, 50% finissent en décharge, 22% sont abandonnés dans la nature, dans des décharges sauvages par exemple, et seulement 9% sont recyclés. Le manque de recyclage et de biodégradabilité de ces déchets amène à des problématiques. Bien trop souvent, ces déchets se retrouvent dans nos océans. On estime à entre 75 et 199 millions de tonnes le plastique qui flotte à la surface de nos océans. Alors, pour illustrer ce chiffre, on parle souvent du continent poubelle ou du septième continent. Et bien sûr, nous allons nous concentrer sur les emballages qui représentent près de 40% du poids total des déchets plastiques générés mondialement. Parmi les emballages qu'on utilise au quotidien, il y a les emballages alimentaires qui représentent 85%. Ces emballages alimentaires ont des fonctions, bien sûr, sinon on ne les utiliserait pas. Donc ils assurent l'information et la traçabilité pour les consommateurs et les distributeurs. Ils aident à la logistique, ils facilitent le stockage, le transport des produits dans les magasins, leur mise en rayon et ils aident au passage en caisse. Ils assurent aussi une certaine protection et conservation des denrées alimentaires. Mais bien sûr, ils arrivent avec leur lot de problématiques. En effet, les emballages plastiques constituent souvent un support pour l'adhésion et la prolifération des micro-organismes pathogènes. On déclare à peu près 2 millions d'infections bactériennes d'origine alimentaire chaque année en France. Et de plus, un tiers des aliments destinés à la consommation humaine sont gaspillés chaque année. Il faut donc absolument réduire la pollution plastique tout en assurant la sécurité sanitaire des utilisateurs. Et donc, nous devons trouver des alternatives à l'utilisation de ces matériaux. Mon projet vise à la mise en place d'un emballage qui sera actif et éco-responsable. Il sera capable de prévenir le risque d'infection microbienne et de prolonger la conservation des denrées alimentaires. Cela réduira le gaspillage tout en réduisant l'impact environnemental. Le point de départ de notre stratégie est un emballage à base d'acide polylactique, c'est le PLA. C'est un polymère biosourcé issu de l'amidon de maïs et biodégradable. Vous connaissez déjà sûrement le PLA, vous l'avez sûrement déjà rencontré sous forme de sacs plastiques très peu résistants, biodégradables dans nos supermarchés. Le fait qu'il soit très fragile est dû au manque de propriétés mécaniques, physico-chimiques et barrières qui sont souvent très très limitées. Donc nous, on veut renforcer tout ça pour obtenir un emballage qui sera antimicrobien et biosourcé. On va le renforcer grâce à des renforts cellulosiques, qui sont biosourcés et auxquels on amènera des propriétés antibactériennes. Donc notre stratégie, c'est d'utiliser la cellulose qui est biosourcée. Effectivement, on la source de la paroi cellulaire des végétaux. Elle est très abondante pour en faire des renforts mécaniques et barrières. On va l'associer au menthol, qui est une molécule issue de l'huile essentielle de menthe, qui a la propriété d'être non toxique et de proposer une activité antimicrobienne très très importante. En associant les deux, on va pouvoir fonctionnaliser la surface de la cellulose par le menthol et ainsi obtenir des renforts biosourcés aux propriétés antimicrobiennes. Il ne nous reste plus qu'à disperser ces renforts dans la matrice du PLA pour obtenir un emballage renforcé, biosourcé et antimicrobien. En conclusion, je dirais que mon projet vise à élaborer le matériau de demain répondant aux exigences environnementales tout en étant un ami de l'environnement, un allié intelligent et un partenaire actif. Je vous remercie pour votre attention. J'aimerais également remercier toute mon équipe pour leur soutien au quotidien ainsi que le comité d'organisation de ce congrès qui m'a permis de parler aujourd'hui de mon projet. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai à la pause café. Merci beaucoup pour cette présentation. On va donc enchaîner avec Juliette Thereau. Bonjour, je m'appelle Juliette Thereau, je suis en troisième année à l'ENS Paris-Saclay et je fais cette année un M2 recherche en art et culture visuelle du monde anglophone à l'Université Paris-Cité. Cette année, mes travaux portent sur la tension entre expérimentation formelle, c'est-à-dire l'étude des formes et des couleurs, et l'insertion de motifs issus de l'histoire de l'art dans la peinture tardive de Nancy Graves.
Nancy Graves, c'est une artiste américaine pluridisciplinaire qui a aussi bien fait de la peinture que de la sculpture que des films expérimentaux. Et donc moi, mon travail porte sur la peinture qu'elle a réalisée environ entre les années 1981 et 1992, qui est une période pendant laquelle elle réalise des toiles qui semblent abstraites à première vue, mais qui sont en réalité composées de motifs très très variés et qui, plus elle avance dans le temps, plus ils proviennent de l'histoire de l'art. Donc pour étudier son travail, j'ai deux idées centrales. La première, c'est une théorie de la perception qui s'appelle la Gestalt, qui est une théorie sur laquelle elle base son travail, qui est une théorie développée en Allemagne et en Autriche au milieu du 19e siècle et qui connaît une renaissance dans les années 1960 aux États-Unis dans les cercles d'artistes, qui est une théorie assez compliquée et qui consiste à dire qu'il y a différents modes de perception d'une œuvre d'art. Et notamment un des modes, c'est ce qui s'appelle la perception dédifférenciée, que je vais tenter d'expliquer en quelques secondes. C'est l'idée que face à une œuvre d'art, le regard opère un scan inconscient de l'œuvre, pendant lequel les yeux et donc le cerveau vont choper des éléments qui constituent le tableau de façon inconsciente, mais que néanmoins ça va alimenter la perception globale et consciente de l'œuvre. Et donc dans l'œuvre de Nancy Graves, ça donne des œuvres comme celle-ci qui semblent à première vue abstraites, avec énormément de couleurs, des compositions très dynamiques, mais qui en fait sont composées de plein de choses très différentes. Je vous en encadrerai deux pour un petit peu guider votre regard. Et donc mon travail consiste à étudier l'application de cette théorie de la perception dans le travail de Graves. Pour ce faire, je voudrais vous développer un exemple qui est une œuvre qui s'appelle Pure Kinetic Reason, qui est une œuvre sur papier de 1992, et une œuvre à une composition très très dynamique, avec des couleurs très variées, notamment une utilisation de peinture fluorescente. Je vous ai mis sur les côtés plusieurs coupures qui proviennent des archives de l'artiste et qui permettent d'identifier un peu plus clairement la source de ses recherches. Ici, je vous ai superposé certains d'entre eux d'un côté pour que ça guide un petit peu votre regard. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des motifs qu'elle va utiliser. C'est-à-dire qu'au centre, avec un trait fin en noir, on peut voir une petite statuette préhistorique qui date de moins de 23 000 avant Jésus-Christ, surnommée la Vénus de Willendorf. En haut à droite, en espèce de violet dans son œuvre, on trouve un masque Kifwebe du peuple Luba au Congo. Vous avez aussi deux visages en rose fluo sur son travail qui représentent deux visages qu'on peut trouver sur une maison à Pompéi, une planche anatomique japonaise du XVIIIe siècle, etc. Donc des motifs d'une grande diversité. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier d'une part quels sont les motifs qu'elle utilise, et ensuite de voir les liens qu'elle peut tisser entre ces différents motifs, puisque cette accumulation, qui va parfois jusqu'à la saturation, lui permet de raconter de nouveaux récits, d'illustrer des mythes, d'illustrer même des pans entiers de la création humaine. Et donc, c'est aussi intéressant dans le sens où c'est un travail qui met sur un pied d'égalité des productions culturelles qui viennent des quatre coins du monde, qui vont de la préhistoire à nos jours, ce qui est particulièrement intéressant dans un contexte culturel où, notamment aux États-Unis, mais un petit peu partout, il y a cette idée que la diversité des cultures, ça peut être dans ce cas-là précisément la fin de l'Amérique, et au contraire, elle dit mais non, c'est une richesse absolument incroyable. Et c'est aussi une façon pour elle de célébrer les améliorations technologiques en ce qui concerne la reproductibilité des images qui lui permet à elle d'accéder à ses œuvres d'art des quatre coins du monde. Et donc moi, mon travail consiste à observer ses œuvres. Donc vous avez un exemple particulièrement intense avec cette œuvre-ci. Donc de passer du temps avec ces œuvres afin de voir comment elles ont été construites, d'identifier les motifs, ce qui passe donc par de grandes recherches iconographiques, et d'explorer les archives de l'artiste, ce que j'ai notamment pu faire grâce à un séjour de recherche à New York au mois de janvier, et qui m'a aussi permis de mener des entretiens avec des galeristes et historiennes de l'art. Et c'est une œuvre qui reste très contemporaine aujourd'hui parce que c'est une œuvre qui demande énormément de temps à son spectateur. Il faut du temps pour arriver à voir au-delà du travail de l'abstraction, du travail des formes et des couleurs. Ce qui, à l'époque d'une surconsommation visuelle comme la nôtre, reste tout à fait pertinente.
Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on va avoir notre troisième vidéo. On enchaîne avec la vidéo de Margot Lassalle. Le 24 mars 1900, une délégation féminine canadienne composée de 4 femmes se rend en France afin de participer à l'Exposition universelle de Paris. Envoyée par le Conseil national des femmes du Canada, la plus grande organisation féminine du pays, elles ont pour principal objectif de représenter toutes les femmes canadiennes dans cette grande manifestation internationale. Pour ce faire, elles mettent en place différentes stratégies. Mais alors, dans quelle mesure ces femmes ont-elles véritablement besoin d'être présentes à cette exposition universelle ? Simple volonté de représentativité, besoin de légitimité internationale ou simple préoccupation personnelle et émancipatrice ? Eh bien, nous découvrirons, grâce à cette étude, que c'est un peu tout à la fois. Créé en 1893, le Conseil national des femmes du Canada réunit des associations féminines locales et provinciales du pays. Si son recrutement est majoritairement bourgeois, le Conseil se veut une organisation ouverte à toutes les femmes sans distinction de classe, d'ethnie, de parti politique ou de croyances religieuses. Si le tournant du XXe siècle est principalement caractérisé par la révolution industrielle, il témoigne également d'une nouvelle ouverture au monde, encourageant les pays à dialoguer entre eux. Cette internationalisation prend notamment la forme d'expositions universelles, où des rencontres sont organisées et où chaque pays a la possibilité de montrer au monde son évolution. Bien sûr, il est également important de noter que ces grandes manifestations internationales sont le parfait reflet de l'impérialisme des pays européens. Cette ouverture au monde permet par la même occasion l'émergence de ce qu'on aime appeler la première vague féministe. Dès 1880, on assiste à la multiplication des rassemblements de femmes, donnant lieu à la création d'associations féminines. Cette émergence du féminisme est notamment caractérisée par une volonté d'obtenir de nouveaux droits, comme le droit de vote. Toutefois, les féminismes ne s'arrêtent pas à l'échelle nationale, et c'est pourquoi les femmes vont, au tournant du siècle, s'internationaliser. En 1900, la délégation féminine du Conseil national des femmes du Canada, aussi appelée les Lady Commissioners, est la première délégation officielle du Conseil à voyager à l'étranger afin de représenter les femmes canadiennes. Parmi les 4 femmes qui la composent, on retrouve notamment Joséphine Dandurand et Robertine Barry, toutes deux françaises canadiennes. Maîtrisant aussi bien le français que l'anglais, leur bilinguisme est évidemment un avantage considérable pour dialoguer lors de l'exposition. Elles sont également éduquées, issues d'une classe sociale aisée et sont avant tout des journalistes engagées. Une fois la délégation minutieusement choisie par le Conseil national des femmes du Canada, il est maintenant temps d'appliquer des méthodes pour faire connaître les femmes du Canada à l'international. Et pour ce faire, Lady Albertine, présidente du Conseil national des femmes du Canada, va s'entretenir avec Sidney Fisher, le ministre de l'Agriculture, mais aussi la personne chargée du pavillon canadien à l'exposition universelle de 1900. À première considération, M. Fisher, au nom du gouvernement canadien, déclara qu'il était disposé à nous accorder un peu plus que ce que nous avions demandé. Il invita notre conseil à préparer un ouvrage qui donnerait un aperçu de l'histoire, des travaux et de la condition des femmes canadiennes prises en masse. Ainsi, les femmes du conseil avaient spécialement rédigé un ouvrage présentant leurs actions et leurs combats, les femmes du Canada, leur vie et leurs œuvres. Composé de différents textes écrits par des femmes du conseil, le CNFC a pour ambition de le diffuser lors de l'exposition. Dans celui-ci, plusieurs thématiques sont abordées, telles que l'histoire du Conseil, l'éducation des filles ou encore les femmes autochtones. L'intérêt premier de cet ouvrage, principale source de cette étude, est de montrer à quel point les femmes canadiennes sont organisées et participent largement au développement de la nation canadienne. Puisqu'il faut croiser nos sources, les correspondances de Robertine Barry, envoyées au journal La Patrie, l'un des plus populaires du Québec, mettent en évidence les salons et les événements auxquels participe notre délégation. Elle évoque notamment le Congrès international des femmes, dans lequel Joséphine Dandurand a prononcé un discours à propos des féministes françaises canadiennes. La Canadienne ne demande pas à voter. Elle reconnaît l'injustice de certains articles du Code relatif à la femme et en désire la modification. Mais elle ne réclame pas des droits égaux. Féministe, elle est pourtant, comme beaucoup de ses sœurs françaises, anglaises, allemandes, etc., malgré l'interprétation des auteurs qui font une seule et même chose de la femme forte et de celle qui renonce à être femme.
présenter les femmes du Canada à l'Exposition universelle de Paris en 1900 est bel et bien nécessaire pour le Conseil national des femmes du Canada. En montrant à quel point les associations de femmes participent au développement du pays, le Conseil parvient à affirmer sa légitimité aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Si cette représentativité est toutefois incomplète, elle n'en est pas moins efficace car le public semble conquis par les femmes du Canada. Merci à Margot pour cette vidéo et on va maintenant accueillir Sarah Chabert. Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sarah Chabert, je suis étudiante ingénieure en dernière année à AgroParisTech et je suis très heureuse de vous parler du projet de recherche portant sur la diversité alimentaire que nous conduisons au sein de l'UMR PNCA. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée, c'est-à-dire manger de tout, mais en quantité adaptée. Vous avez certainement déjà rencontré ce type de recommandation, que ce soit sur le site Manger Bouger ou ailleurs. Et effectivement, il est sans équivoque crucial de diversifier son alimentation pour couvrir ses différents besoins en nutriments. Toutefois, des études récentes indiquent qu'une diversité alimentaire accrue dans les pays industrialisés n'est pas forcément synonyme d'une bonne santé puisqu'elle est associée à la consommation de catégories alimentaires à la fois favorables mais également défavorables à la santé sur le long terme, à l'instar de la viande rouge. En fait, quand on parle de qualité nutritionnelle, plusieurs acceptions sont possibles. D'une part, la qualité renvoie à la notion d'adéquation nutritionnelle, donc à savoir la couverture de ses besoins, comme nous l'avons vu dans un premier temps. D'autre part, la qualité s'inscrit dans la prévention de la morbimortalité, c'est-à-dire la mortalité due aux maladies chroniques. Ainsi, la qualité, les concepts de qualité ne couvrent pas vraiment les mêmes choses en termes de santé. En outre, la diversité alimentaire est un concept encore mal défini, que ce soit dans la recherche ou dans les recommandations de santé publique. Par conséquent, les relations entre diversité alimentaire et qualité nutritionnelle ne sont pas évidentes et suscitent des questionnements quant aux catégories alimentaires à diversifier, à quel point il faudrait les diversifier, et enfin, cela pose des questions sur les potentiels aliments leviers d'une diversité alimentaire de bonne qualité. Alors, pour mieux comprendre ces questions, nous devons préciser justement ce que l'on entend par diversité alimentaire et se demander quelles sont les dimensions de la diversité à favoriser. Alors, évidemment, quand je vous dis diversité alimentaire, la première chose à laquelle on pense, c'est au nombre d'aliments différents que l'on consomme. Mais la diversité alimentaire, ce n'est pas uniquement cela, puisqu'on peut également se poser des questions sur les proportions par lesquelles on consomme ces différents aliments, ou alors on pourrait aussi se demander si manger varié, ce ne serait pas simplement consommer des aliments très différents en termes nutritionnels. Jusqu'à présent, notre équipe a analysé les liens entre les différentes dimensions de cette diversité et la qualité nutritionnelle en se basant sur des régimes fréquemment observés chez plus de 1000 individus. Mais que se passerait-il si nous explorions toutes les possibilités offertes par chaque dimension de la diversité? Et que se passerait-il si nous testions des régimes encore peu consommés? Alors justement, pour tester des régimes alimentaires plus diversifiés par rapport à ceux communément adoptés, ce qui en l'espèce est compliqué à faire car ça demanderait énormément de temps sur des humains, on a entamé une approche prospective innovante. Alors concrètement, on va diversifier artificiellement sur logiciel les régimes alimentaires de nos 1000 individus. Donc en fait, on augmente la diversité alimentaire au sein de différentes catégories d'aliments, et ce, dans le but d'évaluer les effets de chaque dimension de la diversité sur des scores de qualité nutritionnelle. En prenant un exemple de consommation d'un individu au sein de la catégorie des fruits, je vais vous présenter les 4 scénarios de changement que nous avons choisi de coder sur un logiciel qui s'appelle SAS. Dans un premier scénario, on équilibre simplement les proportions des fruits consommés dans le régime, sans changer ni le nombre de fruits, ni le type de fruits consommés.
Dans un second scénario, on maximise les différences nutritionnelles et ce, sans toucher au nombre de fruits ni aux proportions initiales. Donc en fait, en somme, cela revient à remplacer certains fruits par d'autres qui présentent des différences nutritionnelles plus marquées. Dans un troisième scénario, on augmente le nombre de fruits en touchant le moins possible aux proportions initiales ainsi qu'aux différences nutritionnelles moyennes entre les fruits. Donc en somme, ces trois premiers scénarios permettent d'étudier les effets propres de chaque dimension de la diversité sur les scores de santé. Mais on peut également choisir de faire varier toutes les dimensions dans le but de tester les effets conjoints de ces différentes dimensions. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous aurez compris que l'idée, ce serait de tester ces scénarios dans chaque catégorie d'aliments, donc en gros, les fruits, les légumes, les viandes, les produits laitiers, etc. Et grâce au score de santé qu'on va obtenir, d'identifier les catégories alimentaires à diversifier, ainsi que les niveaux de diversité souhaitables pour chaque dimension, et en perspective, identifier les aliments leviers qui ont un rôle dans cette meilleure diversification. Tout cela ayant pour but final de définir ce que serait une diversité optimale pour la santé. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe Prospect pour leur accueil et leur encadrement. Et enfin, un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou si vous souhaitez enrichir mes connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. On va accueillir maintenant Pauline Gosset.
C'est un réel angle mort sur ces pratiques qui existent déjà, puisqu'il y a déjà des auteurs qui réintègrent. Et ces pratiques, elles sont soit formelles et informelles. Et l'idée de ma recherche, ce serait d'analyser, recenser ces pratiques. En fait, selon moi, un travail de recherche sur cette problématique permettrait de nourrir les politiques en place. Je postule donc qu'il existe des ponts fructueux entre la science et la politique, et mon expérience en est un bon exemple. Pour aller plus loin, j'aimerais revenir sur un concept, le concept de Laure Bérény, qui s'appelle le concept de l'espace de la cause des femmes. En effet, il existe plusieurs espaces de lutte pour faire avancer la cause des femmes. Ces espaces peuvent prendre des formes diverses et variées. À travers ma démarche, je souhaite faire converger les espaces de la cause des femmes académiques et institutionnelles. Les études de genre deviennent alors un instrument de la mise en dialogue entre les sciences et la politique. De manière plus globale, traditionnellement, on estime que les sciences, c'est un peu à côté de la société, que c'est neutre, que c'est parfois même au-dessus c'est des sujets intellectuels. Mais les études de genre et la sociologie de terrain apportent l'idée que les sciences sont un produit situé, pris dans des relations, des rapports entre l'individu, l'objet d'étude, le terrain, la communauté scientifique et la société en général. En effet, il est essentiel de faire dialoguer la recherche et la politique par-delà leur cloisonnement actuel. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite faire dans un projet de thèse sous la direction de Viviane Almanga, un projet de thèse qui porterait sur la réintégration des auteurs de violences sexistes et sexuelles dans les universités. Il existe donc plein de manières d'élaborer un projet de recherche. C'était la mienne. J'espère que ça pourra inspirer des personnes dans le public à poursuivre leurs études, en tout cas là-bas, les lycéens et les lycéennes, dans la recherche. Et je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci beaucoup pour cette présentation. On va donc accueillir Adrien Thomas. Bonjour à tous et à toutes. En effet, je vais vous présenter le sujet de stage que je réalise actuellement à l'Institut Curie, intitulé « Plasticité cellulaire du glioblastome ». Alors, pour comprendre ce sujet, je pense qu'il est important de remonter au principe fondamental de la biologie, qui est que le génotype, donc l'ADN, merci pour l'introduction précédemment, est transcrit en ARN, que cet ARN est traduit en protéines, et que l'ensemble ARN et protéines, c'est ce qui fait qu'une cellule aura un phénotype, donc des caractéristiques données, donc les traits physiques, etc. Ça, c'est une vision un peu simpliste, ou au moins simple, parce que rien que si on se pense à les cellules cellulaires, on voit que toutes les cellules ont le même génome, et pourtant elles ont plein de formes, donc de phénotypes différents, ce qui veut dire qu'il y a bien un niveau d'information en plus, que je ne détaillerai pas ici, mais quelque chose en plus. Maintenant, là-dedans, le cancer, qu'est-ce que c'est ? Donc le cancer, c'est une prolifération cellulaire incontrôlée, les cancers plutôt. Et pour le coup, le plus souvent, c'est dû à une mutation, donc réellement une modification du génotype qui entraîne une modification du phénotype. Moi, plus particulièrement, j'étais sur le glioblastome. Donc, ce sont des tumeurs cérébrales dites de haut grade qui sont très agressives, très létales et résistantes au traitement. Mais en fait, tout ce que je viens de dire, c'est résumé par un seul mot qui est la plasticité. On parle souvent de plasticité cérébrale. Et ben, il faut savoir que les tumeurs du cerveau ont la même capacité. Elles sont très plastiques. Mais qu'est-ce que la plasticité ? Eh bien, justement, pour savoir ce que c'est que la plasticité cellulaire, il faut comprendre qu'une tumeur, pour se modifier, pour changer de phénotype, il y a deux possibilités. Soit l'évolution tumorale, donc ça, c'est de la même manière que l'évolution des êtres vivants, il faut qu'il y ait une mutation qui apparaisse, puis de génération en génération, si la mutation est sélectionnée, elle va rester dans la population, elle va se fixer éventuellement. Donc ça, c'est long, forcément, et plus ou moins irréversible. Par contre, à l'opposé, la plasticité tumorale, c'est un mécanisme presque immédiat, très rapide, où une population d'état cellulaire A passe dans un état cellulaire B sans mutation génétique, donc avec le même ADN, avoir un phénotype différent, et pourra donc éventuellement, comme il n'y a pas eu de mutation, revenir à l'état initial assez facilement.
Donc moi, c'est là-dessus que porte mon stage. Pourquoi ? Parce que dans le cas du glioblastome, quand on va induire apporter un traitement, on va induire plein d'états cellulaires différents. Donc, il peut y avoir la mort, hein, c'est ce qu'on cherche normalement quand on met un traitement. Mais aussi plein d'états qu'on connaît ou pas. Mon équipe, on a identifié un qui s'appelle VC-RESIS, ici en bleu, et qui a plusieurs fonctionnalités. Déjà, il est infiltrant et résistant, donc ça c'est plutôt une mauvaise chose, c'est pas vraiment ce qu'on cherche, mais il est aussi sénescent. Et la sénescence en biologie, c'est l'arrêt irréversible du cycle cellulaire. Donc dans une maladie de prolifération, c'est plutôt intéressant parce que la cellule sort du cycle, elle ne prolifère plus, c'est comme si elle était morte. Sauf que des travaux récents montrent que la sénescence, dans le cas du cancer, c'est plutôt associé à un mauvais pronostic. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est la question de mon stage. Pourquoi des cellules qui sont sénescentes, qui devraient arrêter de proliférer, sont associées à la progression tumorale, à un mauvais pronostic ? Pour étudier ça, on a un modèle cellulaire qu'on a créé à partir d'une lignée cellulaire, donc une lignée tumorale issue de patients, immortalisée. On la transfecte avec un rapporteur du gène de la nestine, parce que l'état cellulaire VC-RESIS qu'on a identifié, on connaît tous les gènes qui sont exprimés, donc ce qui fait qu'il est différent des autres états cellulaires. Et donc la nestine en est un, on l'insère dans la cellule, ce qui fait qu'ensuite, un peu compliqué, quand la cellule veut se diriger vers l'état cellulaire en question, elle va vouloir exprimer la nestine, le gène en question, et de ce fait exprimer aussi un rapporteur fluorescent des tomatos, donc ici c'est un rapporteur rouge, la cellule devient rouge. Et à quoi ça sert d'avoir un modèle tel que celui-ci ? Ben, ça fait qu'on peut utiliser des méthodes comme le tri cellulaire pour déjà savoir combien de cellules rouges, donc VC-RESIS, il y a dans une population. Et en plus, on peut trier la population avec un champ magnétique, donc enrichir en VC-RESIS ou en cellules naïves. Et c'est ce que j'ai fait ici, et ça servira de conclusion, ces résultats. Donc on a trié une population en VC-RESIS, c'est la courbe bleue, contre la courbe rouge non triée, et on a attendu. Eh bien, on voit que cet état qui est censé être sénescent, irréversible, il ne l'est pas tant que ça, parce qu'on voit une décroissance de l'état cellulaire qui ne peut pas être expliquée, on l'a mesuré par ailleurs, par une différence de prolifération. Et non seulement il est réversible, mais arrivé au jour 4, on a retrié les mêmes cellules, mais en prenant cette fois-ci l'opposé, les nestines négatives, donc tout ce qui n'est pas VC-RESIS, tout le reste, tout ce qu'on ne connaît pas, et on les a soumis au traitement, ce qui fait que les cellules qui sont bleues, donc qui par le passé étaient VC-RESIS, mais qui ne le sont plus, comparées à celles en rouge qui statistiquement n'ont jamais été VC-RESIS et ne le sont toujours pas, et bien la courbe bleue remonte bien plus vite dans l'état de résistance que la courbe rouge. Donc ça veut dire que non seulement l'état de sénescence en question, il n'est pas irréversible, mais en plus les cellules qui y sont passées et qui sont revenues ont une mémoire cellulaire qui fait que face au traitement, elles reviennent bien plus vite résistantes et bien plus vite infiltrante. Donc ça, cliniquement, ça a plein d'implications assez évidentes, étant donné que les cellules bleues seront plus dures à traiter que les cellules rouges. Voilà, donc je vous remercie mon équipe qui a rendu ce travail possible, les plateformes de cytométrie et d'imagerie de l'Institut Curie, et bien sûr les organisateurs pour le super congrès et le comité scientifique pour leur sélection. Merci de votre attention. Merci bien pour cette présentation. On va pouvoir passer à la vidéo numéro 4 de Eva Leros. La fleur est courte, mais la joie qu'elle a donnée une minute n'est pas de ces choses qui ont commencement ou fin. Vous ai-je déjà raconté l'histoire des plantes à fleurs ? Les plantes à fleurs ou angiospermes sont présentes partout autour de nous. Elles nous fournissent les fraises, les framboises, les pommes pour faire des smoothies ou des salades, mais sont aussi source de médicaments et de matériaux. Elles sont partout. Ce qui est fascinant, c'est qu'au cours des millions d'années d'évolution, les plantes à fleurs se sont massivement diversifiées, surtout si tu regardes leur architecture. Formes et couleurs, le sculpteur et le peintre n'ont pas lésiné sur l'imagination.
Dis-toi bien qu'on trouve plus de 300 000 espèces différentes d'angiospermes et une partie de cette diversité est le résultat d'un processus de coévolution entre les plantes et les pollinisateurs, les insectes, les mammifères et j'en passe. En gros, les uns ont influencé l'évolution des autres et réciproquement. Des chercheurs et chercheuses passionnés des plantes comme moi se sont intéressés au mécanisme du développement de la fleur. Comment se forme-t-elle? Quelle en est son organisation? Qui en sont les architectes? Pour petit rappel, voici l'organisation théorique d'une fleur. Ses pales à l'extérieur, souvent vert feuille, puis les pétales, plus ou moins visibles et colorés, les étamines, où l'on trouve le pollen, et les carpelles, où l'on trouve les ovaires avec les ovules. Certaines équipes ont observé que la fusion des pétales en un tube, ou sympétalie, est l'une des innovations morphologiques clés qui a été retrouvée chez plus de 80 000 espèces d'angiospermes. Rends-toi bien compte! Pour répondre à ces questions, on aime bien utiliser le pétunia avec ses grands pétales fusionnés. Dans la nature, il existe différentes espèces de pétunia, certaines avec un tube long comme Pétunia axillaris, d'autres moyens comme Pétunia hybrida, ou encore très très courts comme Pétunia integrifolia. Il a été montré que ces variations dans la longueur et le diamètre du tube sont associées à des pollinisateurs distincts. Axillaris au tube long a des pétales blancs et est pollinisé la nuit par le sphinx, alors que son extrême opposé, integrifolia, est rose et pollinisé en journée par les abeilles. Le tube restreint physiquement l'accès au nectar, ce doux et délicieux breuvage sucré, qui n'est alors accessible qu'à un petit nombre de pollinisateurs spécifiques. Et cette relation privilégiée optimise l'efficacité de pollinisation. Comprendre ces mécanismes, à quoi ça sert? Je pense que tu as déjà entendu parler du réchauffement climatique et des désastres écologiques de notre époque. Perte de biodiversité, déclin de la faune et de la flore, le doux bourdonnement des insectes et le chant des oiseaux nous paraissent bien, bien loin et semblent s'évanouir dans nos souvenirs. Dans ce contexte, c'est important de comprendre les interactions plantes-pollinisateurs et les mécanismes à l'origine de la forme des fleurs, pour mieux appréhender le monde qui nous entoure et l'évolution. Mais alors, quand est-ce que j'entre dans le jeu? Eh bien, malgré le rôle majeur de cette fusion des pétales, on ne sait pas grand-chose des mécanismes qui y aboutissent. Pourquoi? En biologie végétale, on utilise des plantes dites modèles que tous les laboratoires vont étudier. La plus connue est Arabidopsis thaliana, et devine quoi? Elle ne présente pas de pétales fusionnés. Donc, pendant les dernières décennies, ce mécanisme n'a pas été mis sur le devant de la scène. Alors, avec mon équipe, on s'est penché là-dessus. Avant mon arrivée, ils ont généré plein de mutants de fusion des pétales. Tu imagines Hulk avec un savant fou qui crée des mutants dans un laboratoire secret? Non. Ça ne ressemble pas vraiment à ça. Nous, avec Pétunia, on peut utiliser les transposons, petits bouts d'ADN qui se baladent dans le génome et peuvent muter certains gènes, ou bien les ciseaux moléculaires comme CRISPR-Cas9, Nobel de chimie décerné en 2020 à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Et lorsqu'un gène est muté de cette façon, il ne peut plus fonctionner correctement. Là, par exemple, tu peux voir certains de mes mutants. Ils ont une sacrée tête quand même, tu ne trouves pas? Ils ont des problèmes de fusion des pétales, tu peux voir ici ou là. Mais je les aime quand même. Donc si tu as bien suivi, je vais faire des expériences sur ces mutants pour comprendre quel gène contrôle la fusion des pétales chez le pétunia. Excitant, non? Une véritable aventure. Pour quelques-uns de ces mutants, on a déjà des hypothèses. En effet, on connaît le rôle de certains de ces gènes mutés chez Arabidopsis, qui n'a pas de pétales fusionnés. Et on regarde si ces gènes ont la même fonction, les mêmes régulations chez Pétunia, qui lui a des pétales fusionnés. On joue un peu au jeu de cette différence. Peut-être que ces gènes ont acquis une nouvelle fonction, ou bien agissent plus faiblement sur leur cible chez une espèce que chez l'autre. Bref, on peut imaginer pas mal de scénarios. J'ai encore plein de choses à faire avec tous ces mutants. Les regarder au peigne fin au microscope, trouver et quantifier l'expression de leurs gènes cibles. Et on voudrait aussi les croiser pour savoir comment interagissent les différents gènes entre eux pour construire le premier réseau génétique contrôlant la fusion des pétales. Si on y arrive, ça serait top, tu imagines? Tout un programme. Sûrement mon chapitre de thèse d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, un grand merci à Eva pour cette vidéo. Et si vous avez bien suivi le programme, nous venons d'arriver à la fin de la session plénière en avance. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir petit à petit
aller vers le haut les minoteurs et démarrer la pause, la session poster. Alors, juste avant que tout le monde se lève et sorte, j'ai quelques petites consignes. Je vous rappelle que on compte sur vous pour voter à la fois pour les présentations, les vidéos et les posters. Donc, n'hésitez pas à aller voir à quoi ressemble le questionnaire et petit à petit, au cours du poster, au cours du congrès, à vous faire une idée des différents vos préférés dans chaque catégorie et de pouvoir voter. On a un petit peu d'avance et on va essayer de la garder. Du coup, on va sûrement faire un appel, on va essayer de décaler d'un quart d'heure, un peu tout vers le haut, histoire qu'on ait un petit peu plus de temps, moins de pression sur les sessions parallèles et qu'on puisse arriver aux remises de prix à des horaires convenables pour tout le monde. Du coup, ils sont prévenus côté hall et minoteur, donc vous allez pouvoir y aller. Excusez-moi, pour ceux qui n'ont pas récupéré leur badge, surtout les participants, ce qui m'en manque 9, c'est un peu inquiétant. Donc surtout, les participants, vous venez me voir. Et pour les spectateurs ou organisateurs qui n'auraient pas eu leur badge, ça c'est moins grave, mais du coup, il vous manque quand même votre sac et votre cahier. N'hésitez pas à venir me voir, on en a encore... Enfin, vos badges, c'est Manon qui les a. Et...